Mesdames et messieurs, bienvenue à notre Assemblée Générale. Willy, c'est un grand honneur de te recevoir avec nous aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on discutait de date. L'année dernière, c'était compliqué dans ton agenda parce qu'on a eu une date de réservation assez tardive. Donc ce samedi-là a été pris. Mais tu avais eu l'engagement dès notre Assemblée Générale de l'année dernière de dire l'année prochaine, je serai là. Donc sois en remercié. On est très content de t'accueillir. C'est une vraie chance pour les chasseurs de laine de pouvoir discuter avec leur président national. Donc on gardera toute une partie tout à l'heure, après l'intervention de Willy, d'échanges entre la salle et Willy ou le département pour des questions qui pourraient être les vôtres. Donc pour assurer la régularité des opérations, je déclare ouverte l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des chasseurs de laine. Et pour commencer cette Assemblée générale, comme à la coutume, je vais vous demander une minute de silence pour tous nos chers amis disparus cette année et à qui on pense forcément beaucoup. Conformément à l'article 11 des statuts, les convocations ont été faites par voie d'annonce dans les journaux, Le Démocrate, le vendredi 1er mars 2024, soit au moins un mois à l'avance. Par ailleurs, une convocation a été adressée à chaque adhérent territorial le vendredi 6 mars 2024. Comme le stipule l'article 11 des statuts, il convient de désigner le secrétaire de séance et je vais demander à M. Nicolas Hansen d'assurer cette fonction. Je remercie les chasseurs et les adhérents qui sont nombreux à notre Assemblée Générale et qui nous font l'honneur d'assister à nos travaux. J'ai eu les excuses notamment du sénateur Verzelen, de la sénatrice Gruny, du député De Signy, du vice-président du Conseil, du président du Conseil régional Xavier Bertrand, de son vice-président Christophe Coulon. Les excuses également de Paul-Henri Hansen-Cata qui ne sera pas présent pour la première fois depuis 35 ans à cette Assemblée Générale. Et évidemment, on pense à lui, mais il n'y a rien de grave, tout va bien. Les excuses également de M. Jaminon de l'ONF qui sera représenté par M. Jégou. Et pour Xavier Bertrand, on a la joie d'accueillir Nelly qui représente le président Bertrand lors de cette journée. Pour assurer la régularité des opérations, une commission de contrôle s'est réunie le 2 avril 2024 en présence de Maître Piette, huissier de justice. Elle a été chargée de contrôler les listes nominatives et numériques des droits de vote, de contrôler les pouvoirs et un procès-verbal a été dressé. Conformément au règlement intérieur, votre conseil d'administration a décidé que les résolutions seront votées à main levée. Les opérations de vote doivent se dérouler sous le contrôle d'un huissier, mais Maître Piette, huissier de justice allant, assume cette fonction. En conséquence, l'Assemblée générale est régulièrement constituée et peut délibérer valablement conformément à ses statuts. L'ordre du jour de notre Assemblée générale ordinaire vous a été communiqué. Et j'ai oublié de vous faire part des excuses de M. le préfet Campeau, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est représenté par le directeur de la DDT, M. Royer. Merci monsieur d'être là et merci à vos services d'être également présents dans la salle. Donc, sans plus attendre, parce qu'on a un timing qui est serré, on voudrait une fin d'Assemblée générale aux alentours de midi pour nous retrouver à la salle du haut pour passer un moment de convivialité et d'échange également avec Willy. Je sais que beaucoup sont venus avec son livre pour lui faire dédicacer. Il y aura un temps réservé à cela. Donc, Patrick, je te laisse la parole et bon rapport d'activité. Merci, Franck. Mesdames, Messieurs,
Tout d'abord, bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je vais vous présenter le rapport d'activité de notre fédération, qui d'ordinaire est fait par Dominique Mollet, notre secrétaire général, mais celui-ci étant indisposé, je vais vous faire part de nos travaux pour une année bien chargée, comme vous allez pouvoir le constater. Le conseil d'administration s'est depuis la dernière assemblée générale réunie 12 fois avec autant de réunions de bureaux. Quelques informations brèves pour commencer. La formation sécurité décennale, dont nous parlons tous depuis un moment. Nous vous avions, lors des dernières assemblées, exposé les tenants et aboutissants de cette formation, rendue obligatoire par la loi Chasse de 2019 et l'arrêté du 5 octobre 2020. Au 4 octobre 2020, sous réserve de modifications réglementaires nationales, l'ensemble des chasseurs devront avoir passé cette formation pour valider leur permis. Nous avons privilégié dans notre département la formation volontaire à distance. Le chasseur peut se connecter au site avec son identifiant et procéder quand il le souhaite à sa formation. Depuis le 14 mars 2020, sur l'ensemble des chasseurs du département, seulement 2571 ont terminé la formation, 512 sont inscrits. Et nous sommes, au niveau des chasseurs de laine, 12 000. Soit une faible participation cette dernière année par rapport à l'année précédente. En 2024, les agents de développement cynégétique ont reçu pour mission d'organiser au moins une formation en présentiel sur leur unité de gestion, ce qui malheureusement générera plus de temps aussi bien pour vous que pour nos formateurs. Aussi, je vous invite tous à aller sur vos claviers et vos tablettes avant l'échéance. Concernant l'exposition de trophées, en 2023, la 28e exposition annuelle des trophées a eu lieu les 13 et 14 mai dans le cadre bien apprêté de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, dont la municipalité nous réserve chaque année les meilleurs accueils. L'accélération des prélèvements de dernière année, le plan de chasse triennal 2020-2023, conjugué à des ajustements d'attribution dans quelques unités de gestion, ont conduit à une exposition exceptionnelle en nombre de trophées et en qualité. Pas moins de 336 trophées de cerfs et 235 de brocarts étaient en place pour accueillir un public peut-être un peu moins nombreux, mais certainement pas moins intéressé. Une très belle exposition, avec de nombreux trophées homologués au catalogue des cotations, qui semble déjà montrer une amélioration de la qualité des trophées vraisemblablement en lien avec la réforme de la gestion qualitative mise en place en 2020. De nombreux autres indices, comme la qualité des mûres récoltées ce printemps, nous confirment ce sentiment d'avoir fait de bonnes orientations, dont le résultat réel ne peut s'apprécier que dans le moyen, voire le long terme, car il faut 10 ans pour faire un beau cerf. Même si nous sommes dans un rapport d'activité, je peux déjà vous annoncer que la 29e exposition fera une infidélité à Soissons, puisqu'elle aura lieu à l'Hippodrome de Laon, dans le cadre de la fête de la chasse de la ruralité, les 1er et 2 juin, avec un certain nombre de trophées encore plus impressionnants que l'année dernière. Concernant le stand de Pouilly-sur-Serre, après une année de fonctionnement grâce à la convention signée entre votre fédération et l'Association départementale de chasseurs de grand gibier, le stand a repris son rythme de réglage carabine, sanglier courant et journée cohésion. Pas moins d'une trentaine de réglages optiques et une vingtaine de sessions sanglier courant ont été effectuées. Plusieurs journées et demi-journées cohésion d'associations cynégétiques et groupements de chasse ont eu lieu. Un rythme de croisière, ces chiffres pourraient être multipliés par 2. Pour 2024, les activités TIR ont repris le 3 avril dernier. Vous trouverez la planification annuelle du stand sur le site de Nature Agora, l'onglet « S'entraîner et régler ». Un point important pour nous, tous les chasseurs de grand gibier. Pas moins de 30 journées vous sont proposées, alors n'hésitez pas, venez vérifier vos armes et vous entraîner, le noble gibier que nous convoitons le mérite. François Rénon, administrateur en charge de ce dossier, reviendra plus en détail dans quelques minutes sur ce point essentiel de notre devoir de chasseur, tout en sécurité qu'en efficacité. Nous possédons dans l'Aisne un centre de formation à Pouilly qui est très performant. Le taux de réussite à l'examen avoisine maintenant les 80%, alors qu'il était de 60% il y a quelques années concernant les permis de chasse. En 2023, ce sont 54 journées de formation au permis qui ont programmé 45 jours d'examen
et 3 journées consacrées à la chasse accompagnée, possible dès l'âge de 15 ans. Cette forte activité est également rendue possible grâce à des formateurs bénévoles qui passent plusieurs de leurs samedis à former les chasseurs en devenir. Aussi, je voudrais faire de la part du conseil d'administration un grand merci à Daniel, à Francesco, à Jean-Yves, à Élodie, à Grégory et à Antoine. L'accueil des scolaires. Un partenariat fructueux avec la Maison de la Nature et de l'Oiseau. L'éducation environnementale, une valeur fondamentale de la Fédération des chasseurs de l'Aisne. La Fédération des chasseurs place l'éducation à l'environnement et au développement durable au cœur de ses missions. Cette implication s'est notamment concrétisée par une collaboration étroite de plus de 20 ans avec la Maison de la Nature et de l'Oiseau de Neuville-sur-Ailette. Cette conviction se traduit par une implication concrète sur le terrain à travers divers projets et initiatives et destinations des établissements scolaires du département. L'un des exemples les plus significatifs de l'engagement de la Fédération des chasseurs est la participation au financement des transports pour rendre accessible la découverte de la biodiversité présente dans nos territoires. Cette implication permet aujourd'hui d'accueillir près de 5000 élèves par an. Et bien entendu, 5000 enfants viennent à nous participer à ces éducations. Un large éventail d'actions éducatives pour lesquelles nous ne pouvons que remercier Robert Ami et son équipe pour ses actions envers notre jeunesse. Et nous ne pouvons que les applaudir. Merci. Nos actions en matière d'éducation environnementale ne se limitent pas à ce seul partenariat. Nous mettons également de nombreuses autres initiatives avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France, telles que le programme Hirondelle et Biodiversité, 775 enfants sensibilisés depuis 2020. Le programme Un nichoir dans mon jardin, 1286 enfants sensibilisés depuis le mois. Hauts-de-France propre, l'édition 2024 qui s'est déroulée les 15, 16 et 17 mars constitue un nouveau record de mobilisation avec 386 points de collecte à travers l'ensemble du département. Ce sont plus de 17 000 personnes qui se sont mobilisées. Chasseurs, pêcheurs, randonneurs, collectivités et de nombreuses associations locales se sont mis autour d'un objectif commun, le nettoyage de Dame Nature. Il ne faut pas oublier les 5400 élèves qui se sont joints à l'action au travers des écoles et qui, en plus de leur action de ramassage, ont bénéficié de moments pédagogiques sur la sensibilisation aux déchets et leur impact sur l'environnement. Durant ces 3 jours, ce sont près de 1500 mètres cubes de déchets qui ont ainsi été collectés sur l'ensemble de notre territoire et plus de 3360 km de chemin, routes, forêts et autres chemins qui ont été débarrassés de leurs déchets. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine pour continuer ces opérations qui préservent nos campagnes et qui sont aujourd'hui démultipliées au niveau national dans le cadre de l'opération J'aime la nature propre qui a fait l'objet de la campagne de communication télévisuelle de notre fédération nationale cette année. Encore un merci à Willy. Les agents de développement. La Fédération s'était engagée à faciliter l'embauche des agents de développement par les GIC afin de mailler le département au travers des unités de gestion. C'est à ce jour 20 agents de développement qui concourent au respect du schéma départemental de gestion cynégétique et aux missions de police de la chasse, mettant en avant la prévention avant de sévir pour les délits les plus graves. En 2023, les agents, encadrés par Franck Magistrini, ont dressé 13 procès-verbaux et 56 timbres-amendes. Sur 70 infractions constatées, 4 concernaient une infraction au plan de gestion petit gibier, 20 au plan de chasse grand gibier, 13 à la sécurité. Pour 2023, c'est également 1987 permis contrôlés, 299 actions préventives, 15% du temps des agents consacré aux missions de police de la chasse. Maintenant, les aides en direction des GIC. Depuis de nombreuses années, la Fédération soutient financièrement les GIC avec agents grâce au timbre emploi qui est de 20 euros par permis. La seconde source de financement est l'adhésion hectare de 0,50 euros mise en place plus récemment et qui se substitue dans de nombreux cas à l'adhésion hectare prélevée antérieurement par les GIC. La Fédération accompagne les GIC dans la recherche de contrats de service. Elle rencontre les communautés de communes et d'agglos pour créer des partenariats avec la régulation des espèces envahissantes et diverses actions concernant la faune sauvage et l'environnement.
5 communautés de communes ou agglos sont déjà engagées. La communauté d'agglos du Pays de l'An, la communauté de communes d'Oulchil-Château, la communauté de communes du Pays de la Serre, la communauté de communes du Vermandois et le Grand Soissons. Nous voulons mettre la chasse au milieu de nos campagnes. La fédération confie au GIC la gestion de plusieurs contrats. Parmi eux, la régulation des pigeons domestiques pour Cérésia et la régulation des ragondins et rats musqués sur la Velle avec la Siabave. Enfin, la fédération complète le financement des GIC via différents projets subventionnés par le Conseil régional et l'éco-contribution sur les appels à projets. Les présidents de GIC et leur conseil d'administration sont au cœur de cette organisation. Il ne faut évidemment pas oublier de les remercier. Ce sont des bénévoles qui font un travail remarquable, tant dans l'encadrement de leur agent que dans les missions de gestion du gibier, recensement des populations, proposition d'attribution petit gibier, animation de leur association, organisation d'événements festifs. Ici encore, ces bénévoles, dont beaucoup d'entre vous sont dans la salle, sont parmi nous, méritent, en plus d'un grand merci, vos applaudissements. Passons maintenant au petit gibier. Pour l'ensemble des territoires, la Fédération souhaite accompagner certains aménagements pérennes favorables à la petite faune de plaine en profitant des subventions de la région Hauts-de-France et de l'éco-contribution. L'implantation des éoliennes que nous subissons depuis plusieurs années nous ouvre un réseau de chemins et de surfaces délaissées qu'il faut aménager au cœur de grandes plaines. Les chemins, c'est bien, mais les éoliennes, c'est un peu moins bien. L'interdiction progressive des insecticides qui handicapent l'agriculture ne peut qu'être favorable au gibier de plaine. La prévention pour la fauche des pâtures doit s'intensifier. Les barres d'effarochement mises à disposition pour les petites structures seront bientôt accompagnées par des drones munis de caméras thermiques capables de détecter les animaux blottis devant la barre de coupe. En ce qui concerne l'opération d'aide à la plantation des haies, là encore, ce dispositif a rencontré un franc succès en novembre 2023 avec 9400 arbres plantés dans nos plaines. Pour faire face aux évolutions de la politique agricole commune, un tant soit peu changeante, la Fédération a adapté son dispositif d'aide à l'aménagement du territoire pour le petit gibier. Nous avons créé cette année deux contrats. Le premier, Jachère Environnement Saône Sauvage, pour les agriculteurs, qui permet de bénéficier gratuitement de la semence avec un focus sur les plantes mellifères. La deuxième, Culture à gibier, pour toutes les personnes souhaitant implanter un couvert sur une parcelle non déclarée à la PAC. Dispositif ouvert aux chasseurs, aux privés, aux communes, avec semences gratuites et une indemnité financière pour l'opération de semis. En 2024, une surface de 203 hectares a été emblavée de jachère, environnement sauvage et culture à gibier, avec 37 hectares de mellifères et 34 hectares de biodiversité pour 86 contrats et un montant de 12 693 euros. Commençons par les espèces. La première espèce, le pigeon ramier. Un petit coucou à Pascal Liénard. Avec 85 590 pigeons ramiers prélevés, le gibier numéro 1 de l'Aisne et de France connaît néanmoins une baisse par rapport à la saison précédente, qui était exceptionnelle. Cependant, cette espèce a des prélèvements en dents de scie avec des variations importantes. Si la suite est logique, les prélèvements de la saison en cours devraient être meilleurs. Ce que semblent confirmer les remontées de terrain, en particulier pour certains secteurs où des stationnements de belles bandes ont été favorisés par la météo, qui n'a pas permis aux agriculteurs de retourner rapidement les chaumes de maïs. Les passionnés se sont réunis dans l'association départementale des chasseurs de pigeons ramiers de l'Aisne, comptant pas moins de 200 membres aujourd'hui. Concernant le lièvre, la situation s'est bien améliorée depuis plusieurs années, et nous avons atteint il y a 2 ans des niveaux de population au plus haut depuis la mise en place des comptages dans les années 90. Même si les écarts ont un peu baissé suite aux conditions humides du printemps 2021, les inquiétudes de l'automne sur une mortalité importante due à des maladies dans les secteurs où le lièvre était abondant ont heureusement été levées par des comptages de nuit quasi normales. Seuls les secteurs bien ciblés où la maladie a sévi ont vu une baisse des écarts. Concernant le renard et les prédateurs, l'Ica renard, en jaune sur le graphique,
a subi une baisse progressive depuis plusieurs années jusqu'en 2021, où nous avons vu la courbe s'inverser pour atteindre un ICA de 0,59 en 2024. C'est la plus forte progression depuis 2014. En comparant les ICA renards et les ICA lièvres, on voit que lorsque l'ICA renard baisse, l'ICA lièvre augmente et inversement. Les deux indices de population sont intimement liés. La population de renards augmente, celle du lièvre décroît. La population de renards décroît, celle du lièvre augmente. Les chiffres en vert correspondent au nombre de renards piégés. L'augmentation constatée en 2019-2020 est due en partie au retard de la collecte en période Covid qui avait été faite sur un an et demi. L'indice renard est important, car c'est la révélation de la progression de la pression du piégeage. Si l'indice renard remonte, c'est l'ensemble de la population de tous les prédateurs qui augmente et qui met en difficulté notre petit gibier. Le nombre de prises prédateurs a légèrement augmenté en 2023, ce qui reste un constat favorable face à l'augmentation des indices. Les indemnités versées aux piégeurs s'élèvent à un peu moins de 110 000 euros. Les piégeurs sont indemnisés le jour de la remise des justificatifs après vérification par l'agent de développement. Du matériel de piégeage est octroyé à chaque GIC pour aider les piégeurs. Cette aide s'est élevée à 19 500 euros en 2023. De nombreux capteurs connectés sont alors distribués pour leur faciliter le travail. Un nouveau modèle est utilisé depuis un an qui donne de très bons résultats. À l'heure de l'augmentation du carburant, il est intéressant de surveiller ces pièges à distance à l'aide d'un smartphone plutôt que de faire des allers-retours tous les matins de très bonne heure. Concernant le classement de ces espèces, les espèces nuisibles, appelées aujourd'hui ESOD, un rapport conséquent et argumenté a été présenté à l'administration par le service technique de la Fédération en vue de conserver les espèces classées, le renard, la fouine, la corneille et le corbeau-freux, et tenter de réintégrer les espèces qui n'avaient pas été classées il y a 4 ans, la pie et la martre en particulier. C'est chose faite puisque l'arrêté ministériel en date du 3 août 2023 place dans le groupe 2 des ESOD le renard, la corneille noire, le corbeau-freux, la pie que nous avons retrouvée, la fouine et la martre sous conditions de surface boisée pour cette dernière espèce. Vous savez, afin que les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts soient définies par le classement, il faut justifier. Il faut toujours justifier et encore justifier de leurs méfaits, tant au niveau des particuliers que des agriculteurs. Nous vous invitons à recueillir des constats de dommages en vue de prochaines discussions qui seront, j'en suis certain, encore plus difficiles et contraignantes dans 2 ans. Concernant la prairie grise, oiseau emblème de nos plaines, qui est aujourd'hui le gibier le plus problématique pour nous. Alors que nous avions beaucoup d'espoir au printemps, avec une climatologie qui semblait clémente, peu de pluie, des températures clémentes, nous avons vite réchanté en constatant la reproduction. Le piégeage, l'agrainage et l'aménagement des territoires sont des variables fondamentales, mais nous confirmons d'année en année que la climatologie est le facteur essentiel. Le réchauffement climatique, en avançant les dates de récolte des céréales, ne nous facilite pas la tâche. Malgré tout, il reste ça et là des noyaux de population qui permettent encore de chasser de façon raisonnable. Grâce à une climatologie plus clémente, certaines régions de France s'en sortent mieux et reprennent espoir. Concernant le faisan commun, oiseau emblématique aujourd'hui de notre département, la progression de nombre de coqs chanteurs en jaune est continue depuis un grand nombre d'années. Les prélèvements en vert suivent la même tendance. Les conditions climatiques n'ont pas contrarié la reproduction. L'espèce colonise de plus en plus nos plaines. La situation est bonne et le faisan colonise dans l'ensemble du département. Les renforcements de population qui continuent sur certaines UG, Marne-Est, Marne-Ouest, Thon, HVO, Cancisson, donnent de bons résultats. La Fédération y a investi 150 000 euros en 6 ans. Mais nous sommes encore loin des capacités d'accueil et certaines unités de gestion devraient se donner plus de moyens. Grâce aux actions qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans dans les premiers GIC et l'expérience qui en découle, le faisan est l'espèce la plus facile à réimplanter. La Fédération encourage désormais le non-tir de la poule qui a donné des résultats spectaculaires dans certains départements voisins. Je vous avais dit qu'il y avait eu beaucoup de travail de fait, ça se confirme également à la lecture.
Autres migrateurs et gibier d'eau. Quelle belle saison que celle qui vient de s'écouler pour la chasse du gibier d'eau, où l'abondance des précipitations a permis de gommer la sécheresse de l'année 2022 et où la chasse au gibier d'eau a pu se pratiquer sur l'ensemble des vallées qui étaient rendues très accueillantes. Les oiseaux ne se sont pas trompés et la migration ainsi que le stationnement furent particulièrement importants. Il est encore facile de faire de nombreuses belles observations en ce moment sur les prés inondés des différentes vallées avec de nombreux anatidés et limicoles qui apprécient la quiétude et la richesse des milieux de notre département. Néanmoins, n'oublions pas que la chasse au gibier d'eau, qui constitue une chasse traditionnelle, ainsi que les différentes espèces chassées sont toujours dans le viseur de nos opposants. La connaissance des espèces et de leur dynamisme sont des éléments importants que la Fédération met en œuvre chaque année, notamment dans le cadre du réseau ISNEA, avec différents sites de suivi dans l'ensemble du département. L'intersaison sera très animée pour notre association de chasse départementale de gibier d'eau, qui aura l'honneur d'organiser le congrès national de l'ANCGE. Il est très rare que ce congrès ne soit pas organisé dans un département côtier. On a des grandes choses aujourd'hui, Willy aujourd'hui, le congrès de l'ANCGE, l'Aisne est un département aimant. Cet événement sera un rendez-vous incontournable pour les sauvagnigers de l'Aisne et des Hauts-de-France. Pour que la chasse du gibier d'eau soit belle, il faut des espaces qui soient fonctionnels. Et pour ce faire, votre fédération n'a cesse d'investir sur les territoires au travers de son pôle biodiversité, avec le partenariat spécifique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Artois-Picardie, ou encore à travers du fonds d'éco-contribution et de la région Hauts-de-France, permettant d'accompagner de nombreux chasseurs du département à travers diverses missions. Rencontres de territoire, mise en œuvre d'inventaires naturalistes sur les territoires, rédaction de plans de gestion, aide réglementaire, aide financière, financement des travaux. Depuis 2017, c'est ainsi 111 territoires qui ont pu bénéficier d'une expertise spécifique représentant une surface de 1330 hectares. En 2023, 8 projets de restauration ont pu être menés à terme par la Fédération pour près de 230 000 euros de travaux. Il est certain que si l'on veut chasser le gibier d'eau, il faut avoir de l'eau, et l'eau est essentielle. Ces missions sont très importantes à nos yeux et permettent de contribuer à la préservation de la biodiversité ordinaire et extraordinaire présente sur nos territoires. Concernant les actions biodiversité, un mot bien à la mode aujourd'hui, coordonnée par la Fédération régionale et financée par l'éco-contribution et la région Hauts-de-France, la politique biodiversité occupe une place de plus en plus importante. Avec certains programmes perdurent au fil des années. Contribution au suivi de la faune suivant les protocoles de l'ISNEA, Institut scientifique Nord-Est Atlantique. Un nichoir dans mon jardin, à destination des enfants. 7500 nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles urticantes, processionnaires et urticantes. Les hirondelles des Hauts-de-France, avec la sensibilisation des scolaires et du grand public, via la mise en place de bacs à boue supplémentaires et le suivi des populations nicheuses. Le sauvetage de la faune sauvage lors des travaux agricoles avec le fonctionnement du drone et des neuf barres d'effarouchement placées dans les JIC. Frelons asiatiques. En plus des 13 000 bouchons distribués en 2023, ce sont encore 12 000 bouchons qui sont mis en service en 2024. Chaque bouchon, fixé sur une bouteille plastique, devient un piège efficace pour capturer les femelles fondatrices. Cette opération à succès a été renouvelée. Les bacs abreuvoirs d'un mètre sur un mètre avec pente douce permettant d'abreuver la faune de plaine en période de sécheresse. 280 abreuvoirs ont été distribués à prix réduit pour l'été prochain. Nous avons un été très chaud l'année dernière. Ces abreuvoirs permettront d'abreuver la petite faune de plaine. Sensibilise haies, projet encadré par la FNC, subventionné par l'éco-contribution. Distribution de kits buissons gratuits pour les communes. La Fédération a réservé ce dispositif aux communautés de communes en convention avec elles. Toutes ces missions et ce déploiement permettent aussi d'accentuer les partenariats par convention au sein de Nature Agora avec la MNO, l'Association pour la préservation des chemins ruraux des Hauts-de-France, anciennement Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et les GIC. Je vous remercie, je passe la parole à François. Patrick, merci beaucoup. Félicitations Patrick, parce que au pied levé, tu as remplacé Dominique Mollet, notre secrétaire général, qui est retenu par ses activités professionnelles dans la Beauce.
Donc c'est un exercice que tu as parfaitement rempli. Je sais que les deux dernières journées ont été un peu chaudes pour préparer ce rapport d'activité et te l'approprier. Sois-en remercié. Au fil de ton intervention, j'ai eu plein de messages de personnes qui s'excusent d'être avec nous, notamment la présidente du syndicat agricole qui est sur son semoir, les représentants de la Chambre d'agriculture qui sont également sur leur semoir. Et Willy, tout à l'heure, me disait, mais il n'y a pas forcément grand monde. Mais c'est vrai que si je dois retirer tous les chasseurs agriculteurs, j'imagine qu'ils sont dans les plaines en train de se mettre à jour du retard qui avait pu être fait. François, je vais te laisser la parole. Juste avant, je voudrais quand même saluer l'ensemble de nos présidents d'associations spécialisées, remercier les louvetiers qui sont là et Alexandre qui est leur président. Et je voudrais faire un clin d'œil à Stéphane Legros, le directeur de la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France, qui était parmi nous, ainsi que la directrice de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. François, tu as la parole pour nous parler de la formation au tir. Merci beaucoup, Franck. Bonjour, mesdames, et bonjour à tous. Je m'appelle François Rénon, je suis l'un des administrateurs de votre fédération et participe, entre autres, à la commission formation. Il y a une trentaine d'années, quand j'étais capitaine, je disais à mes soldats, un bon artisan a de bons outils. Je voulais dire par là qu'ils devaient choyer leurs armes, bien les régler et surtout bien les utiliser. Pistolets, fusils d'assaut, mitrailleuses, canons de 155 mm. Ne sommes-nous pas quelque part des artisans de la chasse? Nos outils sont bien connus. Fusils, carabines, arcs. Et pour prélever dans de bonnes conditions le gibier que nous convoitons, nous devons bien connaître nos armes et surtout bien les utiliser. Pour cela, vous disposez d'un stand de tir fonctionnel qui vous permet de vérifier vos armes, vos optiques et vos armes, et faire des séries d'entraînement au sanglier courant toute l'année, pendant la saison et en intersaison. Fruit d'un partenariat entre votre fédération et l'Association départementale des chasseurs de grand gibier, le pôle armes rayées du stand de tir est vraiment pleinement opérationnel et il vous attend. Vous devez avoir à l'écran, où c'est passé déjà, la planification annuelle des journées tir que vous retrouverez en deux clics sur le site de Natura Agora, sur l'onglet « S'entraîner et régler », ainsi que le numéro de téléphone pour réserver votre créneau. Notez que les sessions sont gratuites pour toute personne adhérant à une association cynégétique du département, jeunes chasseurs, gardes particuliers, chasseurs de grand gibier, conducteurs de chiens de sang, etc. Il en coûtera la petite somme de 10 euros par session pour les autres. Que vous fassiez un réglage optique, une session sanglier courant ou que vous cumuliez les deux. Une nouveauté pour 2024 avec la mise sur pied d'un partenariat qui permet aux tout jeunes permis d'apprendre les bases de la balistique de chasse, notions qui ne sont pas abordées à la préparation du permis, et aux chasseurs aguerris de s'entraîner avec leurs armes sans munitions. Nous utilisons pour cela les compétences et le matériel de la société Simultir Oise, qui met en œuvre un simulateur de tir extrêmement performant, référence des scénarios présentés dans la décennale sécurité de la Fédération nationale des chasseurs. 4 journées sont programmées cette année à Natura Agora. Les matinées, dont le coût est supporté par la Fédération, servent à former et conseiller les jeunes permis. Les après-midi sont réservés aux séances d'entraînement. Les chasseurs payent leur session, une trentaine d'euros pour 20 minutes, où ils tirent virtuellement une centaine de cartouches. Nous avons fait une première journée le 8 mars dernier. Il y avait 6 apprenants le matin et 5 chasseurs aguerris l'après-midi. Pour la journée du 2 mai, nous avons de mémoire 6 jeunes qui viennent le matin. J'espère qu'ils seront plus nombreux. Pour cela, j'encourage nos formateurs à relancer les tout jeunes permis. Il y a de la place pour 20 personnes le matin. Et l'après-midi, 10 sessions sont réservées pour le tir, pour l'entraînement des chasseurs. Donc il reste pour le 2 mai un seul créneau de 20 minutes pour l'après-midi. Tous les autres créneaux sont pris. Vous allez voir un clip très rapide de présentation du simulateur. Vous disposez donc de moyens performants pour vous former et vous entraîner. Alors parlez-en à vos camarades de chasse, à nos jeunes chasseurs qui sont notre relève. Profitez de ces installations.
Je vends mon truc et fais pourrir. Hein. Ah, regarde. Ah, c'est pas vrai, c'est pas trop. Je comprends pas. Hein. Ça m'a fait chier de me rater. Le simulateur de tir sera à la fête de la chasse les 1er de juin, donc vous pourrez découvrir ce système qui est absolument remarquable. Pour conclure, je dirais entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Merci beaucoup. Bravo et merci François pour ton exposé sur la formation. La parole est donnée à Philippe Patou, le monsieur dégâts de gibier. C'est un dossier pas simple, hein, Philippe. Tu l'as repris à la suite de Paul Corpel. Je dois dire que c'est un plaisir, Philippe, de voir quelqu'un comme toi, en intégrité et en capacité de travail, à pouvoir tenir un dossier aussi compliqué que ça à gérer. Et tu, comme on dit chez nous, tu mouilles le maillot. Mesdames, Messieurs, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas salués. Il est vrai, l'année dernière, quand j'étais au pupitre, c'était ma première, avec des chiffres qui n'étaient, pour être honnête, pas bons. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous allez le voir, il y a une nette amélioration, mais je vous rassure, ce n'est pas encore suffisant, il va falloir qu'on aille encore plus loin. Donc je suis là pour déjà vous présenter les prélèvements qualitatifs, quantitatifs en matière de grand gibier pour la saison 23-24, on est bien d'accord. Donc, pour la saison, on a prélevé 30 142 grands gibiers dans le département. Pour le chevreuil, la réalisation est de 7 441 chevreuils. Un résultat moyen pour moi. Mais ça s'explique entre autres par le fait que nous sommes en première année de triennale, que nos attributions ont été revues à la hausse. Hein, ceci en relation avec l'augmentation des attributions et aussi notamment aux déléances des partenaires forestiers qui nous avaient demandé à ce qu'on augmente les enveloppes pour faire baisser les populations. Et je rajouterai un élément quand même important, c'est que bah, vous savez tous, quand on est... Vous verrez après les chiffres en matière de prélèvement sanglier. Je pense que beaucoup ont laissé le chevreuil de côté pour prélever du sanglier. Donc, en qualitatif, on a prélevé 45% de brocarts, 32% de chevrettes et 23% de chevrillards. C'est vrai que le nombre de chevrillards est un peu faible cette année par rapport aux autres années, mais c'est pareil, je pense que l'explication, elle vient... Il y a eu certains secteurs où il y a eu des mortalités, on a entendu, donc je pense qu'il y a une petite explication à ce niveau-là. Bon, on n'est qu'en première année de triennale, hein, on sait très bien que les deux années qui vont suivre vont être beaucoup plus importantes en matière de prélèvement. On arrive à la population des cerfs. On a prélevé sur le département 1249 grands cervidés. Le taux de réalisation du cerf ELAF est de 79%, alors qu'il était de 82% lors de la première année du précédent triennal. Il suit un peu la tendance du chevreuil, de façon un petit peu plus nuancée. La répartition qualitative est de 252 CM1, 133 CM2, 473 biches et 462 fans. Vous voyez notre attribution annuelle qui était de 1668. Vous verrez après, avec les chiffres de dégâts, franchement, j'aurais espéré un prélèvement un peu plus élevé dans cette classe de biches et de fans cette année. Bon, c'est l'avantage du triennal, vous pouvez l'année prochaine vous rattraper, mais je pense qu'il faudra faire des efforts. Vous savez tous hein, que si on veut baisser des populations, c'est par la voie femelle, c'est pas par la voie mâle. J'arrive à la bête noire. Chiffre historique dans notre département. On a prélevé 19 987 sangliers. Pour mémoire, l'année dernière, on en avait prélevé
un peu plus de 16 000. Première année de triennale, 4031 de plus que la saison dernière, ce qui donne un taux de réalisation annuel de 106%. L'ailé représente 49% du tableau global, dont 48% enregistrent un poids de 50 kg et plus. Globalement, les chasseurs se sont bien appropriés l'outil de plan de gestion. L'absence d'hiver, l'importance des couverts, moutarde et autres, et la libération des prélèvements avec la suppression des brassetés ont certainement conduit à un ratio de réalisation plus important dans les plaines agricoles. Ce résultat est aussi le fruit des efforts de suivi et de communication conduits dans le cadre du plan d'action sanglier. Malgré une bonne prise en main des déclarations par téléphone, la géolocalisation des prélèvements n'a pas donné entière satisfaction. Notre service technique continue à travailler à l'amélioration du dispositif. Alors là, on arrive sur nos chiffres importants. Vous voyez le tableau. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nos surfaces dégâts ont baissé en sanglier par rapport à l'année dernière. De 1142 hectares, on est passé à 1018 hectares. Par contre, nos surfaces de dégâts de cervidés sont passées de 186 hectares à 246 hectares. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que j'aurais souhaité qu'on augmente un petit peu les prélèvements dans les biches, surtout pour pouvoir faire baisser nos dégâts. Et après, vous avez ce chiffre colossal, hein, 2 216 000 euros. C'est, quand vous voyez le chiffre de l'année dernière, qu'on trouvait déjà beaucoup trop haut, hein, on était pratiquement à 2 400 000 euros, je peux vous dire que les dégâts sont encore du trop lourd, quoi, hein. D'ici 2025, nous avons l'obligation d'avoir une surface maximale de 750 hectares de dégâts. Nous sommes encore à plus de 1200 aujourd'hui. Si la situation s'est globalement améliorée, le travail à accomplir est encore très important, car nous étions encore à plus de 1200. Bien que les prélèvements soient historiques, est-ce suffisant? Une chose est certaine, nous sous-estimons toujours les populations. Les retours de terrain dans certains secteurs sont inquiétants actuellement, avec encore la présence de beaucoup d'animaux en plaine et des dégâts en conséquence. Je vous rappelle mes propos lors de nos réunions de cet automne en matière de prévention. La première solution, c'est le plomb. Et la deuxième, c'est la protection des cultures à haute valeur ajoutée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui nous coûte très très cher, c'est les pommes de terre, c'est les betteraves. Et je demande, et un peu les pois, mais là je demande une vigilance accrue. Là, on va attaquer les semis de maïs. Ça va être une période très 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 compliquée. Donc... Alors, cette somme que vous voyez, 2 216 000 euros, on n'a pas extrait le plan de résilience. Il y a 636 000 euros qui vont être extraits de cette somme. Et je voudrais, en la présence de Willy qui est là, lui dire un grand, grand merci, parce que pour notre département, l'année dernière, on a eu, ce n'était pas un cadeau qu'on nous a fait, on le savait de toute façon, on l'a dit du départ. On a reçu 820 000 euros l'année dernière, on reçoit 636 000 euros cette année. Merci, parce que c'est de l'argent qu'on n'a pas été chercher dans la poche de nos chasseurs, parce que dans le département, tout cet argent sert à payer des dégâts. Je vous rassure, c'est pas forcément ma philosophie aujourd'hui, parce que je pense que faisons des efforts, baissons nos populations et baisserons nos dégâts. C'est pas possible, vous verrez tout à l'heure notre budget, c'est vraiment inquiétant. En matière de prévention, on a posé 532 km de clôture pour un montant total de 258 812 euros. L'année dernière, on avait posé 486 pour un montant de 201 000. Et quand vous regardez en 2021, on avait posé 672 km de clôture pour 251 000. On en pose 140 de moins cette année et on est plus élevé. Vous savez ce que c'est, hein, de toute façon, c'est le matériel qui coûte beaucoup plus cher. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que, je l'ai dit dans mes réunions de cet hiver, la pose des clôtures, ça doit faire partie du travail des chasseurs aujourd'hui. C'est une obligation. Les écarts de prix aujourd'hui, entre un kilomètre posé par les chasseurs et un kilomètre qui est posé par des prestataires de services, ça va de 170 euros à 1600 euros.
Si on n'a pas compris ça, parce que, je vais vous dire, les 258 000 euros, c'est encore les chasseurs qui payent. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience que les protections aujourd'hui des cultures, c'est l'affaire des chasseurs avec le monde agricole. Je l'ai dit, je l'ai redit et j'insiste. Soyons extrêmement vigilants. Toutes nos forêts aujourd'hui sont dépourvues de fruits forestiers et les animaux ont faim. Nous sommes entrés dans une période de sensibilité des cultures, hein, les semis de pois, maïs, betteraves. L'agrainage de dissuasion en linéaire doit fidéliser les animaux en forêt. Il est obligatoire d'agrainer en période hors chasse et des contrôles sont en cours. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui agrainent jusqu'au 29 février et à partir du 1er mars, on range le matériel, on ne met plus un grain de maïs dans la forêt. Et avec ce qui se passe en forêt actuellement, pas de fruits forestiers, je peux vous dire que ça va être dramatique si vous ne remettez pas en route l'agrainage. Donc je vous demande, et c'est pour ça qu'on a demandé à nos agents de faire des contrôles sur le terrain, en vous demandant de réagrainer. C'est une obligation. Comme en témoigne le bilan des dégâts en page 15 et 15, malgré une légère baisse des surfaces et du prix de certaines denrées, les factures ne vont pas du 8 mai partout, car l'aide de l'État est aussi en baisse. Vous avez vu, 820 000 l'année dernière, 636 000 cette année. Toutes ces mesures serviront à baisser vos factures. Sincèrement, je voulais vous dire un grand merci pour le travail accompli en général, mais pour certains, je leur demande encore d'être très attentifs dans les semaines qui viennent. Je sais pouvoir compter sur vous. Les mini ne sont en aucun cas un objectif. Il faut contraindre les populations et prélever au maximum. La future méthodologie de facturation sera basée sur le système d'information géolocalisé. Privilégiera les territoires qui auront participé activement au plan d'action. Elle visera à faire payer ceux qui sont responsables des déséquilibres. Vous pouvez donc prélever plus sans crainte. Vous pouvez prélever plus sans crainte. N'hésitez pas. La volonté n'est évidemment d'éradiquer le sanglier, mais de retrouver des équilibres nécessaires et indispensables pour les intérêts de tous. Hein, je le dis souvent, je serai mort, il y aura encore des sangliers dans le département. Rassurez-vous, il n'y a aucun problème, aucun souci. Voilà. Donc, l'évolution de la situation des unités de gestion par rapport à la surface sanglier acceptable. Bon, on a encore pas mal d'UG qui sont hors cadre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, bah oui, on voit bien les chiffres là. Hein. Donc, par contre, on a des gros efforts qui ont été réalisés hein, dans certaines UG. Bon, je ne vais pas prendre toutes les UG les unes derrière les autres, hein. Mais vous prenez l'Orsois par exemple, hein, qui est une UG qui a fait des efforts considérables en matière de prélèvement depuis 2 ans. Eh ben, ça se retrouve là dans le tableau, hein, de 150 hectares, on passe à 86 hectares. Après, il y a une usée comme la Souche, où là, je demande des gros efforts. Hein, de 161 hectares l'année dernière, on passe à 215 cette année. Ça n'est plus tolérable. Hein. Après, sur le reste, je vous dis, il y a vraiment des efforts qui ont été réalisés. Et... Voilà. Donc après... Un bel outil que je vous avais déjà un petit peu parlé l'année dernière, c'est notre SIG. Notre SIG qui va nous aider dans nos prises de décision. C'est clair qu'aujourd'hui, avec cet outil, tous vos territoires de chasse sont géoréférencés. Hein. Vous voyez, il y a des zones blanches. Ben, ça, c'est des zones où il n'y a aujourd'hui pas de plan de chasse, pas de plan de gestion. Je suis intervenu hier dans une commune d'ailleurs où j'avais un gros souci de 40 hectares qu'on s'était rendu compte avec le SIG qui n'était pas chassé. J'ai rencontré les élus, on a eu une discussion et on a trouvé une solution pour la prochaine campagne. Donc vous avez vraiment là l'outil que vos responsables grand gibier vont avoir demain. Vous avez les territoires. Ah ok, vous entendez bon. Donc vous avez les territoires qui sont géoréférencés. Nos estimateurs aujourd'hui, en matière de dégâts, quand ils sont sur le terrain, toutes les données sont saisies sur tablette. Donc les dégâts sont géolocalisés. Et vous, avec votre smartphone, quand vous faites vos déclarations, tous vos prélèvements sont enregistrés sur chaque territoire. Donc ça va nous permettre demain de mettre en responsabilité des gens qui ne font pas le travail sur le terrain. Je l'ai dit depuis un moment, la mutualisation c'est terminé. À terme, on va descendre au territoire. On peut plus faire autrement, il faut qu'on avance. Il n'est pas normal que des gens ne veuillent pas rentrer dans les rangs de...
Donc, pour conclure, après ces slides, pour conclure, je souhaiterais vous donner quelques informations. Des chiffres qui parlent et des mesures concrètes. 20 000 sangliers prélevés, 130 hectares de surface détruite en moins, la chasse du sanglier ouverte 12 mois sur 12 maintenant, les tirs d'effarouchement pratiqués par nos agents, l'agrainage dans nos forêts pour reconcentrer les animaux, la prévention par la pose et l'entretien des clôtures par vous les chasseurs en collaboration avec les agriculteurs. Personnellement, je suis à l'écoute du monde agricole tous les jours et j'essaye toujours d'apporter une réponse à leurs problématiques. Je ne peux pas penser qu'avec toutes ces mesures, nous n'obtenions pas de résultats. J'ai une confiance totale dans une grande majorité de nos chasseurs. Je sais pouvoir compter sur vous. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris les enjeux de demain, attention à la double peine. Lors de notre dernière CDCFS du 28 février, j'ai demandé à l'administration de faire intervenir la louveterie dans les zones où nos chasseurs ne peuvent pas chasser. Les friches industrielles, les zones périurbaines, etc. Aujourd'hui, avec le SIG, il nous est très facile de cibler des problématiques locales et avec la profession agricole de demander une intervention extérieure s'il le faut, bien sûr la louveterie. Je confirme que les décisions nous appartiennent. Je pense qu'il sera toujours plus judicieux que nous continuions à travailler ensemble plutôt que de nous disperser. Je n'aime pas les conflits, je préfère toujours les arrangements à l'amiable. Je peux vous assurer que la mise en responsabilité des chasseurs et des agriculteurs est actée aujourd'hui. Alors évitons d'en rajouter. Un grand merci à vous tous. Merci Philippe. Ce sont des propos clairs et audibles. Il nous appartient de les avoir bien entendus et de faire le travail qui reste à faire. Passons maintenant à la partie financière. Michael, en tant que trésorier de la Fédération, je te laisse la parole et je te remercie pour l'investissement que tu as sur ce dossier et pour la rigueur dont tu fais preuve dans cette tâche. Merci beaucoup, Franck. Mesdames, Messieurs, notre expert comptable, M. Mathieu, étant absent, il me revient la tâche de lire le rapport. En ma qualité de trésorier de la Fédération, j'ai l'honneur de vous présenter les résultats comptables de l'exercice 2022-2023. Aucun changement de méthode comptable sur l'exercice. Les comptes sont donc comparables d'un exercice à l'autre. Les produits d'exploitation, d'un montant global de 4 133 204 euros, comprennent les recettes du timbre fédéral et du timbre national pour 1 136 533 euros, montant quasiment identique à l'exercice précédent. Les recettes du timbre grand gibier et des plans de chasse pour 1 781 999 euros, contre 2 128 785 euros au 30 juin 2022, soit une baisse de 346 000 euros. Les droits d'adhésion et cotisation hectare pour 454 921. Les produits accessoires et subventions pour 759 751 euros qui se décomposent en contribution financière de la FNC suite à la réforme pour 91 000 euros, les frais de dossier pour les permis de chasser 62 000 euros, les subventions régionales Hauts-de-France CPO pour 51 000 euros, l'éco-contribution biodiversité pour 17 000 euros, les produits perçus sur prestation GIC pour 59 000 euros. Les charges d'exploitation s'élèvent-elles à 4 845 424 euros ? Une augmentation de 396 000 euros par rapport au 30 juin 2022. Cette hausse est due à une augmentation très importante du montant des dégâts de gibier, qui passe de 1 364 332 euros à 1 717 546, soit une progression de 353 000 euros, plan de résilience déduit. Les frais généraux sont maîtrisés. Les achats, services extérieurs et autres services extérieurs passant globalement de 819 000 euros à 794 000 euros, soit une baisse de 25 000 euros. Les impôts et taxes, notamment la taxe sur les salaires, la formation continue et les impôts locaux, s'élèvent à 52 407 euros, en baisse du fait de la réduction de la masse salariale. Les frais de personnel sont en baisse, passant de 849 671 euros à 813 598 euros. L'effectif est désormais composé de 16 salariés permanents.
Les postes autres charges passent de 1 212 419 à 1 369 584 euros, soit une hausse de 157 000 euros. Il regroupe l'ensemble des subventions accordées et actions réalisées au cours de l'exercice par votre fédération. Les subventions de fonctionnement au GIC s'élèvent à 498 076 euros. Les indemnités pour régulation de prédateurs s'élèvent à 110 400 euros et la subvention pour l'achat et l'entretien des clôtures à 233 755 euros. À noter également la poursuite d'actions de développement réalisées dans le cadre de subventions Région Hauts-de-France et de l'éco-contribution. Après dotation aux amortissements et aux provisions pour 98 308 euros, le résultat d'exploitation présente un déficit de 712 220 euros contre un déficit de 24 642 sur l'exercice précédent. Ce résultat, majoré du résultat financier pour 29 645 euros et du résultat exceptionnel pour 54 438 euros, donne un résultat net de notre fédération qui s'élève à moins 628 137 euros, contre une perte de moins 155 014 euros au 30 juin 2022. Le résultat net comptable de votre fédération est donc, comme sur l'exercice précédent, fortement impacté par l'augmentation en valeur des dégâts de gibier, 353 000, et une baisse de la recette timbre grand gibier plan de chasse pour 346 000. Ce résultat net comptable est ventilé par section analytique. Résultat service général, plus 42 593 euros. Il était 41 696 au 30 juin 2022. Et résultat service dégâts, moins 670 728. Au 30 juin 2022, c'était 196 708. Concernant l'évolution de la masse salariale et des aides à l'emploi, dans ce graphique, on constate une bonne maîtrise de la masse salariale depuis 2014. Sur l'exercice 2022-2023, les salaires et charges s'élèvent à 833 000 euros contre 868 000 au 30 juin 2022 et la reprise des avantages en nature en produit pour 19 000 euros. Nous avons également bénéficié d'aides au poste de l'Agence de l'eau. Ces sommes sont comptabilisées en subventions d'exploitation. Sur le prévisionnel 24-25, on le verra tout à l'heure, le montant net des frais de personnel s'élèvera à 811 000 euros. L'évolution des fonds propres de la Fédération. Les fonds propres s'élèvent à 1 544 000 euros à la fin de l'exercice. Ils sont bien sûr en forte diminution par rapport à l'exercice précédent, notamment du fait de l'exercice déficitaire de 628 000 euros. Ces fonds propres représentent près de 4 mois de fonctionnement de votre fédération, ce qui est un signe d'une saine gestion. Les recommandations dans le secteur associatif sont de disposer de fonds propres compris entre 3 et 6 mois de fonctionnement. Enfin, je vous rappelle que la fédération a libre utilisation de ses réserves conformément à son objet, suite à un arrêté ministériel du 1er février 2018. La répartition des charges est produit pour 100 euros. Ce premier graphique représente l'origine des ressources de la fédération. Les recettes principales sont le timbre fédéral et national pour 27 euros, le timbre grand gibier et plan de chasse pour 42 euros, les adhésions représentent, elles, 11 euros, les subventions et recettes diverses, 18 euros, et le résultat financier, 1 euro, et le résultat exceptionnel, 1 euro également. Comment sont dépensés ces 100 euros? Les indemnisations de dégâts de gibier représentent 35 euros. Les dégâts représentés l'exercice précédent, 30 euros. Les achats, 1 euro. Les frais généraux, 16 euros. Impôts et taxes, 1 euro. Salaires et charges, 17 euros contre 19 l'an dernier. Les subventions accordées, 28 euros. Et les amortissements et provisions, 2 euros. Concernant le bilan. Le bilan synthétique et global de notre fédération. Le total du bilan s'élève à 4 300 000 euros, qui se constitue de 1 125 000 euros d'actifs immobilisés, immeubles, véhicules, matériel technique et administratif, 33 000 euros de stock, 718 000 de créances et subventions à recevoir, déplacement de trésorerie pour 2 038 000 euros, des charges constatées d'avance pour 391 000,
La trésorerie est plus importante qu'au 30 juin 2022, 2 033 000 contre 1 564 précédemment, du fait de l'encaissement au 30 juin 2023 de produits perçus d'avance à hauteur de 1 130 000 euros. Au passif, les fonds associatifs s'élèvent à 1 544 000 euros, majorés des provisions pour retraite 244 000, soit un total de 1 798 000 euros. Les dettes s'élèvent à 1 382 000 euros. Il y a un produit perçu d'avance à hauteur de 1 130 000. Je vous rappelle enfin que la Fédération détient une participation dans le capital de la SARL Natura Agora Développement pour un montant de 15 000 euros, soit 18,75% du capital, et qu'elle détient 100% du capital de l'EURL Chasse de Picardie. Je vous remercie pour votre attention et laisse la parole à notre commissaire aux comptes pour la lecture de ses rapports sur les comptes annuels de notre fédération au 30 juin 2023. Merci, monsieur le trésorier. Mesdames, messieurs, je vais vous donner lecture du rapport du commissaire aux comptes. Donc, tout d'abord, le paragraphe sur l'opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Fédération des chasseurs de laine relatif à l'exercice clos le 30 juin 2023. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Nous avons ensuite un paragraphe relatif au fondement de cette opinion, dans lequel on indique que nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, et que nous avons réalisé notre mission dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Concernant la justification de nos appréciations, nous avons été particulièrement attentifs au respect des règles concernant la comptabilisation des dégâts de gibier et également à l'évaluation des placements financiers. Ensuite, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations qui sont données dans les documents qui vous ont été adressés sur la situation financière et les comptes annuels. Voilà, monsieur le Président, j'ai résumé le rapport et j'en ai terminé. Merci, monsieur Gracia, pour votre rapport. Avant de passer la parole à Michael pour le budget prévisionnel, je vais mettre aux voix la résolution numéro 1. Et Michael, je dois dire que ce n'est pas simple. Être trésorier et arriver devant vous pour proposer un déficit de 628 000 euros. Mais je dois vous dire que c'est encore moins simple quand on est en décembre 2021 et qu'on doit se projeter pour savoir ce que sera le printemps 2023, puisque le prévisionnel est fait 18 mois à l'avance. À l'époque, nous avions marqué 1,7 million de dégâts, ce qui semble être le chiffre linéaire plutôt haut de ce qui se passait auparavant. Et je dois dire que quand le montant des factures est arrivé, on a pu constater seulement le déficit. Et à l'avenir, on va voir que sur le prévisionnel que nous avons travaillé au mois de décembre 2023 pour la fermeture au 30 juin 2025, on a changé de braquet. On s'est prémuni pour éviter qu'il y ait un tel déficit qui soit constaté comme celui de cette année. Donc je vais vous proposer de voter à main levée le vote de la résolution numéro 1, l'affectation du résultat au 30 juin 2023 pour un montant de moins 628 136 euros au compte de report à nouveau. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Il est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Michael, parle-nous maintenant du prévisionnel et non d'une pipe, donne-nous des bonnes nouvelles. J'aimerais bien. Alors, le budget prévisionnel pour l'année cinégétique 2024-2025 vous est présenté avec un résultat net comptable positif de 29 528 euros. Au niveau des produits, le montant prévisionnel du timbre fédéral et du timbre national est fixé à 1 133 000, avec un prix inchangé, 75 euros pour le timbre fédéral, 95 euros pour le timbre national. 2 554 000 euros pour le timbre grand gibier et plan de chasse. À noter une augmentation du timbre grand gibier départemental de 10 euros, passant de 50 à 60 euros.
Les adhésions et cotisations hectares sont fixées à 499 000 euros. L'adhésion territoire individuelle passera de 65 à 80 euros, soit une augmentation de 15 euros. Je vous rappelle que ce montant d'adhésion individuelle n'a pas été revalorisé depuis 2001 et le passage à l'euro. Les autres recettes s'élèvent à 1 140 728 euros, avec notamment 465 000 euros relatifs au plan de résilience, soit un total des produits d'exploitation de 5 326 728 euros. Au niveau des charges, le montant total des charges d'exploitation est de 5 327 000 euros, avec un montant de dégâts de 2 365 000 euros, dont 465 000 au titre du plan de résilience. Les frais de personnel s'élèvent à 811 000 euros, une légère augmentation de 2,26%. Enfin, il y a un maintien des actions réalisées par la Fédération avec 1 245 000 euros de subventions accordées. Le résultat d'exploitation présentera un déficit de 472 euros, majoré du résultat positif financier de 30 000 euros. Ce budget prévisionnel 2024-2025 vous est donc présenté avec un résultat excédentaire de 29 528 euros. Je vous remercie de votre attention et rends la parole à notre président. Merci, Michael. Le plus dur quand on fait un prévisionnel, c'est de pouvoir estimer les dégâts, comme je vous l'ai dit. Vous avez vu qu'on a estimé les dégâts, pour ne pas avoir de mauvaise surprise, à 2,4 millions d'euros. C'est colossal. C'est la mort, enfin c'est la... C'est avec désespoir qu'on a inscrit ce chiffre-là. On l'a inscrit pour éviter d'avoir un résultat de l'exercice qui pourrait être déficitaire. Je compte sur vous pour avoir entendu les propos de Philippe Patou pour redresser là où ça doit être redressé les populations qu'on sous-estime toujours pour les remettre en adéquation avec les milieux afin que vos contributions soient les moins chères possibles et que le résultat de la fédération soit le plus honorable possible. Le montant des dégâts, c'est ce qu'on va chercher dans vos poches. Plus on baisse les dégâts, plus on baissera vos contributions. Il n'y a qu'un seul travail à faire, c'est celui que Philippe vous a dit tout à l'heure. Je vais procéder au vote de la résolution 2 pour l'approbation du compte prévisionnel 2024-2025 avec un résultat excédentaire de 29 528 euros. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, il est adopté. Pour les cotisations, nous allons les voter à main levée. L'adhésion territoriale pour la saison 2024-2025, revalorisée à 80 euros au lieu de 65, et la convention d'adhésion taxe hectare à 50 centimes de l'hectare sur les plaines et les bois. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Une abstention. Et je vous remercie. Il est adopté. Le timbre fédéral pour la saison 2024-2025 à 75 euros. La cotisation temporaire pour la saison de chasse 24-25 de 9 jours à 37,50 euros. La cotisation temporaire pour la saison de chasse 24-25 de 3 jours à 10 euros. Et la cotisation pour les nouveaux permis conforme aux dispositions nationales. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté à l'unanimité. Cinquième, le timbre grand gibier pour la saison 2024-2025 à 60 euros. La cotisation temporaire grand gibier pour la saison 24-25 de 9 jours à 30 euros. Et la cotisation temporaire grand gibier pour la saison 24-25 de 3 jours à 15 euros. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le prix des bracelets reste inchangé pour 2024-2025. Le bracelet CER CEM1 est fixé à 290 euros. Le CEM2 est fixé à 380 euros, la biche à 265 euros, le jeune cerf ou biche est fixé à 190 euros, le bracelet chevreuil à 15 euros, et le sanglier correspond à la contribution dégâts de sanglier par territoire. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vais maintenant vous demander de voter le quitus pour l'acquisition, l'échange et la vente d'immeubles.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Maintenant, nous allons voter pour le renouvellement de notre commissaire aux comptes, la SLEC. Alors, on vous propose la SLEC audit, représentée par M. Gracia Richard, et du suppléant, la société Alexandre Minot audit et conseil, 60 avenue du Golfe, à Mérigny, dans le Nord. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Patrick, je vais te donner la parole pour nous exposer les dates d'ouverture et de fermeture pour la campagne 2024-2025 et nous procéderons au vote de ces dates par la suite. Oui, donc concernant la prochaine saison, pour poursuivre les perspectives d'avenir, parlons des propositions des dates et modalités pour la future campagne 2024-2025. Aucune modification, sauf qu'il n'y aura pas, ça c'est un peu la blague, le 19 février en 2025, n'étant pas une année bissextile, et une exception avec le souhait pour notre cher sanglier, dans tous les sens du terme, concernant les périodes avril-mai et avant le 15 août, de donner l'autorisation de chasse uniquement aux détenteurs d'une autorisation délivrée aux détenteurs du droit de chasse. Pour être plus clair, c'est ceci afin de simplifier la procédure actuelle de demandes supplémentaires à faire pour pouvoir chasser pendant ces périodes, avril, mai et avant le 15 août. On n'a pas de changement, donc ça va être très vite. Bah donc c'est plus rapide que je ne pensais. Donc merci Patrick. Donc sur ces dates, les propositions de date d'ouverture et de fermeture 2024-2025, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est à l'unanimité, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Willy, qui va nous faire notre président de Fédération Nationale, qui va nous tenir des propos. Alors juste avant, on a les trompes qui arrivent. C'est histoire de réveiller tout le monde pour être sûr que tout le monde soit opérationnel pour le discours de Willy. Par la suite, après le discours de Willy, on gardera un temps d'échange, d'accord ? Si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté au rapport d'activité ou autre de ce matin, ou des questions à Willy, on a voulu cette année vraiment profiter du temps d'échange, parce que la venue de Willy est assez rare, et quand il vient dans un département, il se passe quelques années avant qu'il revienne. Donc n'hésitons pas, toutes les questions sont des bonnes questions, à partir du moment où on respectera la neutralité politique qui est la nôtre, c'est-à-dire Willy est invité aujourd'hui en tant que président de la Fédération nationale des chasseurs, et uniquement à ce titre. Donc on évitera toutes les questions qui peuvent avoir sujet sur des événements qui auront lieu au mois de juin. Voilà, autrement dit, on ne parlera pas d'élection, d'accord ? Vous aurez tout loisir, de façon individuelle, à avoir des propos après, mais ça sera de façon individuelle et pas du tout dans le temps de notre Assemblée Générale. Messieurs les sonneurs, vous nous réveillez un peu la salle, d'accord ? Et la parole sera à toi, Willy. Tu monteras au pupitre ? D'accord ?
Donc il fallait que tout le monde soit réveillé. Après les mauvais chiffres constatés de cette année, il fallait remettre un peu de joie et de gaieté. Maintenant, Willy, que la gaieté est revenue dans la salle, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord à vous, messieurs les sonneurs, et la délicate attention de cette fanfare qui m'est chère. Franck, je le sais, je vois le clin d'œil. Voilà, comme on dit toujours, la marche des cerfs, c'est pas une fanfare, c'est de l'opéra. Mais c'est très très joli et ça a été magnifiquement interprété, comme d'ailleurs les premières sonneries que j'ai entendues. Donc félicitations. Il y avait un petit peu plus de canards dans la Marne hier, on le dira à Jacques Desbrosse, mais là c'était parfait. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était très bien. Alors, évidemment, très heureux d'être là. Ma chère Nelly, bonjour. Madame la conseillère régionale. Monsieur le DDT qui est présent également. Bien sûr, notre président local, Franck, et j'y reviendrai, le conseil d'administration. Le directeur Bruno Doyer, figure emblématique de l'Aisne, lui aussi, et l'entièreté de son personnel qui est là, qui sont là aujourd'hui, bien évidemment, pour l'Assemblée générale de la Fédération des chasseurs. Le directeur de la Fédération régionale, Stéphane Legros, qui est évidemment quelqu'un du coin, on va dire, puisqu'il a travaillé préalablement d'abord à la Fédération des chasseurs de l'Aisne, après un petit tour en Bretagne, qui est finalement revenu dans ses terres. Il a bien fait, on est beaucoup plus heureux en Haute-France qu'en Bretagne. Tu nous le dis toujours, mais tu as raison. C'est rigolo de citer la présence de ma directrice du Pas-de-Calais et de son mari, d'ailleurs, qui a des responsabilités à l'OFB chez nous. Moi, j'ai le droit à un couple d'enfer dans le Pas-de-Calais, je vous le dis. Bien sûr, je salue également l'OFB, l'ONF qui est représentée aujourd'hui, les associations spécialisées, les louvetiers, important aussi, les maires qui sont là, hein, mesdames et messieurs les maires, les piégeurs, quelque chose de très important pour nos fédérations où il y a beaucoup de petits gibiers, les gardes particuliers aussi ont des fonctions importantes. On n'en parle pas souvent assez au niveau national, j'en suis conscient. Pas facile pour les gardes particuliers parce que, bon, les autres, on a tous quand même une structure nationale, c'est plus facile. Les gardes particuliers, il y a beaucoup de chapelles. Il faudra peut-être quand même un jour qu'on arrive à se mettre d'accord et n'en avoir qu'une, parce que quand je les vois à Paris, ils ne sont jamais d'accord sur ce qu'ils demandent, donc c'est très compliqué. Et on a du mal à avancer, et c'est vrai, avec les associations nationales des gardes particuliers, parce qu'il y en a trop, je conseille, et je le dis depuis 8 ans, il faudrait se rassembler, nous serions beaucoup plus performants. Les présidentes et présidentes des sociétés de chasse, bien évidemment, des chasses privées, bien évidemment. Mesdames et messieurs les chasseurs. Alors, j'ai préparé un petit pavé quand même, hein, mais on va se dire un peu de choses. Évidemment, mes amis, le temps n'est plus à la nuance ni au politiquement correct. Quand je vois ce que l'écologie politique et ses alliés veulent faire de nous. Si l'écologie est une préoccupation commune à chacun d'entre nous, nous sommes les premiers écologistes de France, il ne faut jamais l'oublier, l'écologie politique, elle, sincèrement, ne sert strictement à rien. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Vous avez sûrement vu cette interview croisée que j'ai dû faire avec Marine Tondelier, qui à un moment, un peu à bout de souffle dans les arguments, me dit mais vous pouvez supprimer tous les écologistes du monde, vous verrez qu'il y aura toujours autant de problèmes. Bravo! Je ne peux me féliciter de ce soupçon de lucidité que peuvent avoir les élus écologistes qui, dans le fond, reconnaissent bien facilement à un moment n'avoir aucune solution pour régler les problèmes de la nature. Remarquez, ce n'était pas la peine de faire un débat pour s'en rendre compte. Mais la lucidité est parfois aussi de courte durée en politique, car ces mêmes écologistes, et vous l'avez vu pendant cette crise agricole, et j'y reviendrai, si on les écoutait, effectivement, ce seraient eux qui seraient quasiment... je dirais, eux, les pyromanes de l'écologie, les pompiers de l'agriculture pour demain, ce qui est quand même un comble. Il ne manquerait plus que ça qu'ils nous racontent qu'en plus, c'est grâce à eux qu'on va encore à la chasse. Hein. Je pense aussi aux dérives idéologiques de certaines ONG et associations qui fabriquent au nom de la sauvegarde de la planète des délinquants, il faut le dire, en utilisant des mots violents, souvent, qui sont d'ailleurs fiers d'être en garde à vue ou après avoir blessé les forces de l'ordre ou même détruit des cultures agricoles. Et ça, c'est quelque chose, à mes yeux, d'inacceptable. Ces groupuscules ou collectifs d'individus qui ne représentent qu'eux-mêmes ne soulèvent, et j'insiste sur le thème, soulèvent pas grand-chose en termes d'idées, mais partent du principe, et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, que la violence est le seul moyen de se faire entendre et qu'au nom de la planète, on a tous les droits. Vous avez même des activistes qui nous expliquent le plus sérieusement du monde que s'attaquer
avec un bol de soupe à des œuvres d'art, est une campagne de résistance civile. Alors, vous l'avez vu, la Joconde a mangé un petit peu récemment. J'espère au moins que la soupe était bio pour cette pauvre Joconde, quand on défend effectivement l'alimentation. Bien plus compliqué, et je dirais vicieux que ça, aujourd'hui, et que ces seules actions coup de poing, j'ai légitimement la sensation désagréable, mais vous aussi j'imagine, qu'on nous fait porter dorénavant la responsabilité de tout ce qui ne va pas sur la planète Terre, nous les ruraux. Lorsqu'on regarde la télévision, qu'on écoute la radio, par exemple, on se voit imposer aujourd'hui systématiquement un acte de contrition écologique permanent. On a beau changer de chaîne, de fréquence, rien n'y fait, on se croirait revenu au temps de l'ORTF. Tout ce qui ne va pas sur la planète, c'est de ma faute quand je regarde la télé. C'est de ma faute à cause, bien sûr, de la voiture thermique dans laquelle je roule. C'est encore plus de ma faute si j'ai le malheur de prendre un avion pour me déplacer, quoique on a vu qu'une écologiste pouvait le faire à condition d'aller voir pousser un arbre à l'autre bout du monde. C'est de ma faute parce que je brûle du bois dans ma cheminée ou du charbon de bois dans mon barbecue. On me dit que je provoque un dérèglement au niveau des particules fines. C'est de ma faute aussi, et j'aime bien cette formule écolo d'ailleurs, parce que j'entretiens un espace écologique artificiel le long de ma terrasse, qu'on appelle le gazon, chez nous, la pelouse. Mais c'est de ma faute parce que mon fils monte sur le dos d'un cheval sans lui demander son accord, c'est aussi quelque chose qui est très à la mode. C'est de ma faute parce que je suis un gros con, moi j'aime le Tour de France. C'est de ma faute parce que je mets un sapin dans ma maison à Noël, ça aussi ça nous a été beaucoup reproché. Je ne vous dis pas, c'est de ma faute parce que je mange de la viande comme vous, mais surtout c'est de ma faute parce que je tue des animaux. À la chasse et à la pêche, j'ai comble de l'horreur, j'ai plaisir à les déguster avec ma famille et mes amis. Je vais vous dire, plus on m'accuse d'être un mauvais citoyen à cause de ma ruralité, de ma chasse, voire un salaud à cause de ma passion, et plus je me dis que j'ai raison de résister à ce qu'on veut m'imposer. Avec ce nouveau projet de vie extraordinaire, bien évidemment certifié 100% moderne et progressiste, on veut tout simplement nous priver de nos existences et de nos passions. Je le dis sincèrement, culpabiliser les Français à outrance, comme on le fait aujourd'hui, ne peut tenir lieu de politique environnementale ou climatique un tant soit peu sérieuse. C'est tellement minable d'ailleurs de cibler le mâle alpha, on en parlait, derrière son barbecue, effectivement en voulant le priver de son moment dominical de gloire, comme le fait Sandrine Rousseau. Ben moi je suis très fier de faire le barbecue, c'est tout ce que je fais en cuisine, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, et je m'arrange pour que ce soit pas brûlé, et c'est déjà pas mal. Et quand c'est pas brûlé, je suis très content de vous le poser sur la table. C'est juste plus commode d'ailleurs aussi de taxer, et Dieu sait si on sait ce que c'est, les gros bofs propriétaires de SUV, comme moi j'en ai un, il est dehors d'ailleurs, en cas de stationnement dans la capitale ou dans une ville écolo. Et comble de la stupidité, vous l'avez vu, si votre SUV, qu'il soit électrique ou pas, le problème aujourd'hui, c'est son poids. Alors en parlant de poids, c'est quelque chose, il manquerait plus qu'une nouvelle étude écolo démontre que les gros, et ça a été cité, représentent un problème écologique, et j'en vois quelques-uns, comme moi, qui risque d'avoir de sérieux problèmes avec le tribunal écologique populaire, mes amis. Mais je vous défendrai, on aura une nouvelle cause à défendre. C'est vrai, obésité et véganisme, non, c'est vrai, pas grand-chose à voir ensemble, mais dans le fond, je le revendique. Quand je vois effectivement la joie et la gaieté du coquard dépressif mondial, la petite Greta Thunberg, ben moi je suis heureux d'avoir quelque peu abusé des bons plats et des bons breuvages de notre terroir français. Merci. Mes coups de gueule répétés n'ont pour autant pas vocation à nier l'existant et les problèmes qui vont avec. Mais j'aimerais que chacun y prenne sa juste part. Pas seulement les braves gens, pas seulement vous, pas seulement moi, pas seulement ceux qui mesurent leur journée au kilomètre parcouru pour aller travailler, trouver un médecin, remplir son frigo ou pour simplement aller vivre sa passion le dimanche en famille ou avec des amis. Comment peut-on qualifier de barbares les chasses traditionnelles? Ces chasses qui sont viennent pour certaines de plusieurs milliers d'années. Pensons à celui, et c'est juste à côté de chez vous, c'est dans le Grand Est, pensons à celui qui, par exemple, en tressant un petit collet avec trois crins de la queue d'un cheval, arrive à fabriquer ce petit piège, il va aller le mettre dans la forêt, il va prendre quelques baies des bois et essayer d'attraper une griffe qui va passer sa tête là-dedans, se faire attraper pour effectivement la déguster. La même chose, mes amis, la même chose filmée dans le fond de l'Amazonie. T'as tous les écolos bobos d'Europe et de France qui verseraient une larme dans leur canapé le dimanche en regardant ça. Mais parce que pourquoi ? Nous, on est des Gaulois et ça se fait en France. C'est inadmissible de remettre en cause ce genre de choses. Parce que si on interdit ça, et c'est bien parti pour, vous le voyez bien, si on interdit ce genre de chasse, eh ben on remet en cause toutes les lois qui régissent la nature. Car tuer pour manger ou
se faire tuer pour être mangé, vous le voyez, vous le savez tous ici, c'est l'équation permanente qui définit les relations entre les espèces animales et végétales. L'écologie punitive, déjà grande donneuse de leçons ici, tente dorénavant d'imposer son dogmatisme partout. Pour soi-disant faire le bonheur des autres, et rassurez-vous, quand les gens n'ont surtout rien demandé. Je voudrais aussi parler de cette initiative d'interdire aujourd'hui les trophées, alors que la vraie raison, c'est bien de vouloir interdire la chasse dans les pays, effectivement, où les gens vont les tirer. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fout les trophées là-dedans ? C'est quand même la doctrine générale et qui est importante à soulever. La chasse touristique, effectivement, en Afrique, eh ben, c'est ce qui permet le développement économique des zones rurales africaines. Et ce qui permet surtout, comble de l'ironie, de financer des brigades, effectivement, pour protéger les espèces contre le braconnage. J'ai à cette occasion rencontré plusieurs ministres africains de l'écologie. Et ils n'ont qu'une seule demande, toute simple, qu'on leur foute la paix dans leur façon de gérer leur nature. Et que ces relents, et je le dis parce que ça m'inquiète, de néocolonialisme du côté des animalistes et de l'écologie punitive, s'arrêtent immédiatement. C'est un peu de notre faute aussi. Il y a trop longtemps qu'on tente d'humaniser effectivement les animaux, je pense à Simba, Booba, et on finit par avoir une vision erronée du monde animal. Un lionceau, c'est pas un bébé lion. Un ourson, c'est pas un bébé ours. Un bébé, c'est un être humain dans les premiers mois de sa vie, et ça, on a toujours tendance à l'oublier. Même dérive éco-animaliste du côté effectivement des publicités à la télévision. Je vais prendre l'exemple de la voiture. Moi, ça m'exaspère. Vous avez une pub pour les bagnoles maintenant à la télé, pas de problème. Et à la fin, on vous explique qu'il ne faut surtout pas rouler avec parce que ça pollue. Faites plutôt du vélo et marchez. Non, mais on est en plein délire. On est en plein délire. Et on nous sert cette soupe, évidemment, tout le temps. On est en train, et il faut le dire, et la chasse fait partie des moyens utilisés pour ça, de terroriser le monde au nom de la planète. Et on a aujourd'hui un nouveau mot qu'on va devoir tous apprendre, c'est l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, on nous annonce que ce sera le nouveau mal du siècle qui touche de plus en plus de jeunes, mais aussi des moins jeunes. C'est vrai qu'à force de nous rabâcher qu'on va tous mourir la semaine prochaine à cause du climat, je peux comprendre le manque de motivation à la reproduction pour l'espèce humaine. Alors plutôt que d'imaginer de réarmer sexuellement les Français, réarmer, c'est nous ça, hein. C'est nous qui allons faire le boulot. Réarmer sexuellement les Français, eh ben, je pense qu'il faudrait juste raconter un tout petit peu moins de conneries dans ce domaine et ça se passerait déjà beaucoup mieux. Je remercie. Personnellement, je ne supporte plus, vous l'avez compris, cette tyrannie écologique et je ne veux pas de ce modèle de société qui se fonde sur cette doctrine qui utilise le réchauffement climatique, le respect du bien-être animal ou la sauvegarde de biodiversité de manière totalement irresponsable. On ne va quand même pas plier trois générations d'êtres humains pour tous les problèmes de la planète. Ce n'est pas le but du jeu, qu'on trouve des solutions. Oui, mais on ne va pas nous faire disparaître en pensant que ça va arranger les problèmes. Alors, dans ce contexte, vous le savez, mon choix, en tant que président de la FNC, a toujours été très clair. J'assume publiquement la chasse dans son ensemble, de la plus petite des pratiques traditionnelles à la globalité économique et sociale de sa filière. Quand je suis arrivé à la tête de la chasse française il y a 8 ans, j'ai senti, et je n'étais pas le seul bien évidemment, qu'il fallait que nous sortions de nos campagnes pour aller expliquer ce que nous sommes et ce que nous faisons. La communication est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. J'ai tout de suite su que nous devions rattraper le temps perdu coûte que coûte, car nous n'avions pas œuvré beaucoup dans ce domaine. Depuis 4 ans, ça a été dit tout à l'heure, depuis 4 ans, vous avez rendez-vous avec, effectivement, un film sur toutes les chaînes de télévision. Alors, je ne fais pas de la pub à la télé avec le Conseil d'administration nationale, juste pour le plaisir d'en faire ou de nous voir à la télé. Je le dis clairement, plus la chasse est expliquée, mieux elle est comprise. Et on voit bien, effectivement, que les premières années qui ont été extrêmement difficiles, où beaucoup de chaînes n'ont pas voulu nous prendre, je pense aux services publics, où ceux qui nous ont pris, d'ailleurs, se sont fait insulter, les menaces de mort pleuvaient, effectivement, sur les réseaux sociaux concernant ces chaînes, et bien, qu'est-ce qui se passe 4 ans après ? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous sommes passés dans le quotidien du paysage médiatique, et on trouve même que nos pubs sont belles à regarder, comme celle, par exemple, cette année, sur le nettoyage de la nature. La première année, quand on a fait ces pubs, on avait eu une 20%, je dirais, d'opinions favorables. Bon, c'est à peu près ce qu'on représente. Cette année, c'est 65% après l'enquête sur les téléspectateurs, 65% d'opinions favorables. C'est ça, la notion de notoriété qui nous a manqué pendant des années.
Et il n'y a pas que là que ça se passe sur la notoriété. Ça commence aussi à payer sur toutes les facettes de nos activités cynégétiques. On a toujours une baisse du nombre de chasseurs, c'est évident. Due, et c'est vrai, à une pyramide des âges qui joue entre notre défaveur, pardon. Mais pourtant, force est de constater que nous n'avons jamais eu autant de candidatures au permis de chasser. Certaines de nos fédérations vont même jusqu'à enregistrer un doublement, effectivement, actuellement. Ce qui est quand même quelque chose de très important. Néanmoins, on a toujours un problème. Il n'y a que 28 examinateurs en France du côté de l'OFB. Moi, je le dis, c'est peu, c'est trop peu. La moyenne, c'est 6 mois pour passer un permis. Certaines fédérations, c'est 8 à 10 mois. C'est beaucoup trop long. Moi, je réclame, et je le redis clairement, depuis des années, mais c'est encore fait cette année, et de plus en plus, ce sera le cas, que nous ayons effectivement une délégation du permis de chasser qui nous soit donnée dans les fédérations pour qu'on puisse faciliter au maximum l'accès pour les nouveaux chasseurs. Je relève quand même que l'OFB a fait un geste cette année, ce qui n'est pas anodin, et je remercie son directeur national, d'avoir proposé dans quelques régions, dès samedi matin, quelques samedis matins dans l'année, pour pouvoir faire passer l'examen du permis de chasser aux gamins. C'est notre boulot d'être une société de service à l'écoute de cette jeunesse, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui veulent passer un permis de chasser, et ça ne doit pas être un chemin de croix, et ça ne doit pas être une contrainte. On a décidé aussi d'embrayer sur autre chose. Cette année, vous avez vu, on a fait une grande enquête avec deux cabinets privés, mais sous agrément d'État, pour que les choses soient bien claires. La question que nous avions à poser, c'était qui sont les chasseurs ? Alors, nous, on sait un peu qui on est, mais c'était important de le faire pour l'opinion publique. Alors, la femme, qui, on le sait, est l'avenir de l'homme, eh ben, est probablement, et je l'ai toujours dit, l'avenir de la chasse pour demain. On a augmenté le nombre de femmes de 25% en 10 ans. Dire on partait pas non plus de très haut, on a gagné 1,5%, c'est pas si mal que ça. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a quasiment un quart de femmes aujourd'hui et de filles qui sont inscrites à l'examen du permis de chasser. Je ne désespère pas qu'un jour vous ayez dans une salle d'AG une présidente nationale des chasseurs, et je pense que ça aurait un petit peu de gueule, ça me convient parfaitement. Les femmes rentrent à la chasse de plus en plus et sont très passionnées d'ailleurs. C'est plutôt les hommes derrière les arbres et plutôt les femmes avec les chiens. Ce n'est pas un reproche, je suis plutôt partie des mecs derrière les arbres, mais c'est vrai, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe, la passion est vraiment très forte. En 2023, quelques chiffres quand même, sur ce qu'on nous attaque toujours, 42% des chasseurs ont moins de 55 ans, bon, on n'est pas si vieux qu'on le dit, 50% des chasseurs sont en activité, dans nos rangs, la diversité socio-professionnelle est importante et ne se dément pas. Il y a autant d'employés que d'ouvriers, que de cadres, effectivement, qui vont à la chasse. La chasse moderne, c'est vrai, est donc quelque chose de populaire et d'une mixité sociale, dans le fond, totalement représentative de notre société. Saviez-vous aussi, et ça c'est pour vous, que votre engagement a été recalculé une énième fois, et bien quand vous posez les carabines, vous passez 27 journées en moyenne, par personne, au service effectivement de la nature et des autres usagers. Il y a 800 000 bénévoles qui suivent la chasse française. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui suit, par exemple, la vénerie, hein, et c'est quelque chose qui est présent dans votre département. J'ai promis d'ailleurs tout à l'heure que je viendrai assister à une chasse l'année prochaine, ça fait quelques années que je le dis. Je ne connaissais pas du tout, évidemment, la vénerie du Pas-de-Calais, il n'y en a pas. Mais j'ai eu une émotion sincère quand je suis allé pour la première fois suivre une chasse à cours. Certains d'entre nous l'a décrit, c'est une erreur. N'oubliez jamais que si on lâche un de nos modes de chasse, si on lâche effectivement une de nos chasses, ça donnera de toute façon le goût du sang dans la bouche de nos opposants. Ils vont tellement être contents d'en bouffer une, ils vont s'attaquer aux autres. Donc si vous laissez partir ces chasses qui sont peut-être des chasses minoritaires, hein, demain, aujourd'hui, demain, ce sera le reste qui passera. On doit tenir l'ensemble. La chasse, merci. La chasse est aussi un atout de taille pour l'économie française. Les chasseurs, c'est toujours important de le dire en ces temps difficiles, dépensent quand même 4,2 milliards d'euros par an pour leur passion. Il y a quand même 38 000 emplois non délocalisables en zone rurale directement liés à la chasse. Et même si nous sommes moins nombreux, sachez que ce nombre n'arrête pas de s'accroître. Notre pratique aussi contribue donc à la richesse nationale à 3,6 milliards d'euros PIB. C'est pas rien. Une petite comparaison, et ce n'est pas un reproche, mais le tennis, il y a 4 fois plus de monde, et il y a 4 fois moins d'enjeux économiques et d'apports, effectivement, au budget national. Le dernier chiffre, qui est toujours celui qui me plaît, c'est, je dirais, l'empreinte écosystémique de la chasse. Je m'en explique, parce que le terme est un peu barbare. Quand on pose nos carabines, c'est 27
7 jours, ses emplois, ce temps passé dans la nature, tout ce qu'on fait pour la nature, quand l'État le chiffre, hein, c'est 3 milliards d'euros écosystémiques, c'est-à-dire quand vous ne chassez pas, vous faites un apport de 3 milliards d'euros, il n'y a pas un écolo dans le monde qui fait ça. Personne ne fait ça. Vous, vous le faites, j'en suis très fier et je vous en félicite. Donc on n'a pas à rougir, pas à rougir du tout de ce que nous sommes dans la nature. Nous sommes des passionnés, résolument engagés, qui donnons de leur temps et de leur argent pour la chasse, mais aussi, comme nous venons de le voir, pour la nature et pour les autres usagers. À partir de ce constat, mes amis, il est inadmissible aujourd'hui de fermer des territoires à la chasse sous de faux prétextes. Et là, je vais lever un sujet qui est une de mes grandes inquiétudes au niveau national. Je pense par exemple à ce qui se passe sur le domaine public maritime, bon, évidemment, ce n'est pas le cas de l'Aisne, mais aussi sur les nombreux contentieux à venir concernant le Natura 2000, c'est-à-dire la directive Habitat, qui va remettre en cause quelque chose de fondamental pour nous tous, c'est la notion de propriété privée. Et je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'en voir avec cette notion de propriété privée. Il faut appeler les choses par leur nom. Nous sommes aujourd'hui en face d'un phénomène de spoliation de tous nos territoires, même privés, hein, avec comme étendard l'écologie en porte-drapeau, souvent les fonctionnaires européens, comme vous le savez. Si on s'y arrête un peu, on constate que tous ces petits dictateurs de territoire, et on commence à en avoir un paquet, ont réussi dans le fond à créer le principe même de ce que je vais appeler le kolkhoz écologique. Et ça, c'est en passe de réduire à néant la notion de propriété privée. Natura 2000, les nouvelles aires protégées européennes, qu'elles soient marines ou intérieures. Il suffit donc aujourd'hui de faire passer de nouvelles lois à Bruxelles pour vous dire ensuite ce que vous pourrez faire ou ne pas faire chez vous. Et tout ça sans même vous exproprier. Et vous le savez très bien ce que je veux dire, on rencontre ça de plus en plus, donc sans vous dédommager de quoi que ce soit et sans aucun politique à Bruxelles qui a l'air de s'en inquiéter. Dans la même veine, le Parlement européen vient d'adopter le règlement sur la restauration et le réensauvagement de la nature, ce qui en soi, j'entends, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais qui passait par le prisme de la déshumanisation permanente de ces natures, je peux déjà vous dire, engendrera prochainement bien des points d'interdiction à cette longue liste qu'on nous impose chaque jour. Je ne résiste pas non plus à vous donner la définition de cette restauration de la nature et de ce réensauvagement par l'Europe. Je vous cite la phrase, il s'agit de protéger la nature pour elle-même ou parce qu'elle revêt des intérêts d'ordre moral, esthétique ou spirituel. Putain, c'est du lourd. Hein, c'est du lourd. Avec des trucs pareils, on va aller loin. Hein, ordre moral, esthétique ou spirituel. Ben, nous, chasseurs, on fait quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Parce que l'esthétique, j'ai pas trop, moi. Spirituel, moyen. Bon, vous avez compris, et c'est une vraie doctrine. C'est un dogme qu'on nous impose dans ce domaine. Je crois que plutôt que de s'occuper de réensauvager la nature, hein, vu de Bruxelles, on ferait mieux de nous laisser faire, il faudrait plutôt s'occuper des grandes villes écolo ou de la capitale, comme à Paris, où aujourd'hui, évidemment, il y a un peu de boulot à faire. Remarquez, au niveau de biodiversité urbaine, on est pas mal, à condition d'y inclure, bien sûr, les punaises de lit et les rats, qui foisonnent. Là, il n'y a pas de problème. Dans ce domaine, ils sont très bons. Mes chers amis ruraux de la nature, ça ne va guère mieux chez les autres usagers. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des vététistes aujourd'hui. Je connais très bien, vous savez, j'ai créé l'alliance des sports de nature et de plein air avec justement les autres entités, le vélo, la marche, les cavaliers, voilà, tous les gens qui utilisent la nature. On en discute, ils vivent un vrai enfer, plus qu'on ne le pense, parce que c'est plus discret. Nous, les chasseurs, on gueule un petit peu, encore heureusement, on se défend. Mais ailleurs, c'est plus compliqué. Quand vous avez des mecs qui expliquent que le vélo, c'est une arme écocide pour la nature, que vous pouvez écraser effectivement un végétal, ça on s'en doute, hein, que vous pouvez rouler même sur un batracien, vous pouvez écrabouiller une grenouille avec votre vélo, j'entends bien, et que l'écran de vos pneus, en fin de compte, érode le sol, hein, et bouleverse les équilibres écosystémiques. Il faut l'entendre quand même. Néanmoins, et on en parle moins et pas assez, vous savez qu'en moyenne, c'est 6 à 8 000 km de chemin qui chaque année se ferme, hein, à l'utilisation des VTT ou même des vélos. Ça va plus loin. Les randonneurs. Hein, hier soir, j'étais dans la Marne. Il y avait effectivement l'association des randonneurs. On en a discuté. Ils commencent à avoir effectivement beaucoup de problèmes pour la randonnée. Toutes ces zones qu'on ferme sous cloche de verre, on ne veut même plus qu'à quelqu'un qui y marche.
Ou alors, il y a un chemin au milieu, vous payez 20 balles pour quelque chose dans lequel vous êtes allé jouer toute votre enfance, qui est juste à côté de la maison, mais on explique que vous êtes des voyous, hein, et qu'il faut juste prendre ce chemin-là, c'est payant. Une nature que nous, on a fait de nos propres mains et qu'on nous oblige aujourd'hui à aller regarder en payant quelque chose, c'est tout à fait ce qui se passe dans plein d'endroits. On a aussi un sacré problème avec l'écologie. Alors, je le dis parce que ça, peut-être, ça vous paraît qu'il n'y a pas de lien, mais il y a un vrai lien pour le Pas-de-Calais. C'est le problème des inondations qui se sont hélas répétées. Mais là aussi, on a un vrai problème. Les études d'impact. Moi, je suis conseiller municipal d'un petit village. Il faut 18 000 euros pour faire l'étude d'impact pour curer les fossés du village. C'est juste du bon sens. Hein. Évidemment, 18 000 balles, quand tu n'as plus aucune dotation de l'État, où est-ce que tu les trouves? On a un tout petit budget. C'est des petites communes. Il y en a plein dans l'Aisne. Eh bien, moi, je sais... Enfin, moi, le maire ne savait pas le faire. Comme nos grands canaux du Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez là, par exemple, qu'il y a un tirant d'eau de 9 mètres par endroit, la vase se met là-dedans. Pourquoi il y a 17 ans qu'on n'a pas curé? Ben, pour une raison, c'est pas moi, mais pourquoi les collectivités territoriales? Nelly connaît très bien ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'extraire la vase, depuis cette nouvelle directive, effectivement, et de son règlement qui est venu sur l'utilisation des boues et des vases. Il faut sortir la vase. Faut envoyer ça à 150 km pour que ce soit traité dans une usine. Puis il faut ramener la vase. Coluche, il s'amuserait avec son truc sur les lessives. Hein. Tu sors la vase, tu l'amènes avec des camions. Je vous dis pas le merdier. Hein. Bon. Vous allez à l'usine, vous devez traiter. Il paraît que c'est plein de métaux lourds, tout ça. Bon, papa. Vous ramenez la vase. Elle doit être stockée dans une zone tampon de moins de 1 km du canal. Ce qu'on appelle des bassins de décantation, vous attendez 2-3 ans et ensuite vous pouvez éventuellement l'étaler sur les terres. C'est des millions d'euros. On peut même plus. Donc on préfère effectivement aujourd'hui hein, donner libre cours à ces conneries, parce que là ça devient des conneries, c'est n'importe quoi, hein, juste effectivement parce qu'il y a un diktat écologique là-dessus. Il est temps de se réveiller dans ce domaine. Et puis si on n'a pas le droit, ben, on s'en fout. Des fois il faut le prendre. Et je. Ne peut que me féliciter d'avoir vu un nombre de maires incroyables dans le Pas-de-Calais dire on n'en a plus rien à foutre, ils ont sorti les grues, ils ont curé, et c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup d'écolos qui ont porté plainte. Hein. Il y en a qui auront des problèmes, ce qui est incroyable quand même, c'est du bon sens. Hein. Et puis, remercier aussi les chasseurs, parce que je vais vous dire, heureusement qu'on a les zones humides, heureusement qu'il y a des gens passionnés qui ont ces étangs, ces zones humides, ces réserves d'eau. Même au niveau national, il a été reconnu que si les chasseurs n'avaient pas été là avec leurs zones humides, eh ben on a eu une catastrophe économique sans précédent. Je parle du Pas-de-Calais, ailleurs aussi, hein, je le sais bien, mais en parlant du Pas-de-Calais, c'était une catastrophe économique sans précédent. Je suis sûr qu'on aurait une catastrophe humaine si on n'avait pas des gens passionnés comme vous qui avaient gardé des zones humides, qui ont fait un réservoir d'eau tampon hein, au pic des crues qu'on a pu avoir. La chasse, mes amis, et l'ensemble de nos pratiques culturelles ne sont pas des maladies honteuses. Bien au contraire, elles sont une richesse pour ceux qui les pratiquent et nous devons nous battre chaque jour qui passe pour les préserver. C'est ce que moi j'ai toujours appelé depuis longtemps notre identité culturelle. Et l'identité culturelle, bah, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un sentiment passéiste de notre temps non plus, bien que nos opposants le répètent tout le temps. Je m'attarde aussi un petit peu sur le reste de la France, l'outre-mer. Alors, dans l'outre-mer, c'est compliqué aussi. On a supprimé, effectivement, une chasse au tang. Alors, le tang, ce n'est pas la boisson orange qu'on buvait quand on était petit, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Non, non, c'est une espèce de petit hérisson qui vit à l'île de la Réunion. Ben, là, vous avez un cas de figure, vous avez One Voice. Voilà, c'est une ONG métropolitaine, c'est des gens qui sont en France, hein, qui ont été attaqués en référé à un arrêté du préfet pour cette chasse. Le tang, c'est une espèce invasive. Les chasseurs veulent le chasser, il paraît que c'est bon à manger, alors ça c'est plutôt bien, d'habitude les espèces invasives chez nous, ils ne sont pas trop bonnes à manger, mais là, c'est plutôt bon à manger, même les écolos locaux sont contents de le faire et disent qu'il faut le faire, et même ils aident les chasseurs, au final, on se retrouve attaqué, One Voice va attaquer dans ces territoires d'outre-mer. Alors, évidemment, jusque-là, on connaissait ce dogmatisme qui s'applique de façon méthodique et sans aucune réflexion à l'interdiction systématique de nos activités. Voilà. Aujourd'hui, on avait ce One Voice qui nous pourrissait la vie en métropole. Maintenant, il faut le dire, et il faut s'y attendre. Et l'outre-mer l'a compris, elle va emmerder le monde partout. Je n'oublie pas non plus de remercier, effectivement, le combat qui a été mené par ces fédérations. Donc, vous avez compris, que ce soit pour la chasse ou autre chose, c'est tout à fait logique. La protection de la nature ne peut se faire sans la compréhension et l'acceptation des femmes et des hommes qui vivent sur ces territoires, c'est-à-dire nous.
nous, les chasseurs, en priorité, avec le monde agricole, bien sûr, et plein d'autres gens, mais c'est les ruraux qui doivent d'abord décider, et c'est eux qui doivent prendre les bons choix, faire les bons choix, parce qu'ils savent. Et à ce titre-là, je voudrais aussi m'attarder un moment sur un dossier, le loup. Alors, il n'y a peut-être pas trop de loup dans le coin, mais comme c'est parti, ça ne va pas tarder. Aujourd'hui, vous avez vu, la présidente de la Commission européenne a enfin pris la mesure du danger que pourrait représenter une meute de loup. Il a fallu quand même que le poney familial soit bouffé pour qu'on ait une prise de conscience. Ça dépend des... Il faut peu de choses, des fois, pour que le cours de l'histoire change. Elle a réclamé une nouvelle ère, je cite, dans l'approche de l'Union européenne vis-à-vis des loups, en soulignant que l'espèce était devenue un réel danger pour le bétail et potentiellement aussi pour les humains. Il était temps de le dire. Il était temps de le dire. Alors, au moment où on nous rebat les oreilles avec le principe de souveraineté alimentaire, eh bien, cela fait tant d'années que l'on préfère sacrifier des brebis plutôt que des loups, ne l'oublions pas. Et tout le monde sait que cela coûte cher, très cher, scandaleusement cher. Si on râle sur l'addition à payer au niveau des dégâts de gibier, le loup, c'est bien autre chose en volume financier. Alors, dans un pays où, quand même, il y a des gens qui n'arrivent même pas à boucler les fins de mois, je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas à manger, simplement la majeure partie des gens qui, en ce moment, ont tous des difficultés à finir le mois. Eh bien, effectivement, comment ne pas parler aussi du désespoir des éleveurs et de leur sentiment d'impuissance? On fait quand même passer, sur ce thème du loup, largement les animaux avant les hommes, ce qui n'est pas acceptable. Alors, il y a des chiffres qui circulent. On avait effectivement une estimation de loups actuellement de 1104 qui sont présents de façon permanente sur à peu près 50 départements. Bon, tout est visité par les loups. Le Bas-de-Calais a connu, il n'y a pas l'été dernier, l'été d'avant, une petite intrusion qui nous a quand même coûté quelques centaines de brebis. Même la directrice a été un petit peu chaud. Mais il y en a partout. Donc évidemment, il y en a qui passent dans l'Aisne, c'est évident. Alors le nombre de loups, d'ailleurs en France, a cette particularité qui ferait rêver bien des économistes en ce moment. C'est la stabilité sur le long terme. Ah, c'est stable, le nombre de loups. Le chiffre de 1000 loups était déjà évoqué au début des années 2000, il faut le savoir, par l'OFV, juste avant que l'ordre politique soit donné clairement d'annoncer qu'il y en avait au moins 500. Fin du débat, chiffre bloqué pour 20 ans. Je me rappelle de ces passes d'armes avec Jean-Pierre Poli, l'ancien directeur de l'OFV, hein, en Assemblée générale de la FNC, il y a 8 ans, puisqu'il a été là une année, ou deux années peut-être, deux années, et je lui disais, mais Jean-Pierre, combien il y a de loups? Tout le monde est là, grande salle à Paris, hein. Combien il y a de loups? Au moins 500. Non, combien il y a de loups? Au moins 500. Moins 500. Bon, j'ai compris, au moins 500. Donc on a joué avec ça. Donc ça fait quand même quatre plans successifs, effectivement, qu'on travaille sur le loup, avec le même résultat et le même problème. Pourtant, la réponse est très simple. Le loup ne doit plus bénéficier actuellement de son statut d'espèce protégée. Le principe de précaution a toujours bon dos. Et dès qu'il est question d'agir, vous le savez maintenant, pour tuer un animal qui cause des dommages, eh ben les fonctionnaires européens, comme les politiques un peu partout, ont vite tendance à ouvrir le parapluie de protection. Il est temps d'inverser la charge de la preuve. C'est très important. Quand un loup approche d'un troupeau, mes amis, c'est pas pour demander un autographe au berger. On a compris ce qu'il vient faire. Donc, c'est quand même pas compliqué. On vous demande quoi? Je le dis parce que vous serez confrontés prochainement, je le sens arriver. On vous demande quoi? D'abord, vous devez remplir 6 feuillets préfectoraux dans lesquels vous devez décrire les intentions agressives de l'animal. Bon. Alors, effectivement, ensuite, vous demandez l'autorisation de tir. C'est très rapide. 4 semaines plus tard, vous avez une réponse. Bon. Alors, moi, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Hein, et autoriser de tirer quelques balles, effectivement, par quelques chasseurs locaux, et ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Je vais être très pragmatique. Si le loup ne sait pas ce qu'il doit faire, on va lui apprendre juste ce qu'il ne peut pas faire. Alors, c'est très efficace, c'est un peu radical, mais bordel, qu'est-ce que ça va soulager, effectivement, nos bergers sur les estives. Donc, vous l'avez compris, grâce effectivement à cet échelon européen, que je critique beaucoup, mais on est tellement lié à ça maintenant, vous l'avez compris, la chasse est européenne. Toutes les diktats et les lois sont européennes. Voilà. Et on a effectivement, emmerdé à peu près sur tout maintenant, dans nos campagnes, dans tous les domaines. Il n'y a pas que la chasse, c'est un constat, ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Voilà. Et c'est le cas d'ailleurs à nouveau, pour la énième fois, mais cette fois-ci c'est un peu plus violent, sur le sujet des migrateurs. Alors, le département de l'Aisne est un département, un grand département de migrateurs. D'ailleurs, avec Franck et Bruno, on a mis un radar en place dans la région et qui a porté largement ses fruits. Il y a des couloirs migratoires très importants dans ce département. C'est même limite une plaque tournante. C'est quand on met le radar et qu'on voit le nombre d'oiseaux qui passent, ça interpelle.
Évidemment, on vient de nous ressortir un nouveau texte, effectivement, au niveau de la Commission européenne. Ce texte nous dit, vous devez justifier, pour chasser des espèces, de la stabilité en nombre de l'espèce. Alors ça, c'est de la théorie de comptoir, c'est de la théorie de bureau. Hein. Évidemment, comment voulez-vous qu'on ait une stabilité permanente d'une espèce ? Ça peut monter et baisser. Rien que dans notre petit gibier ou notre grand gibier, on voit qu'il y a des printemps de reproduction qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. À l'échelle d'une population très importante qui chiffre des fois en dizaines de millions d'oiseaux dans une espèce, eh ben, il y a des fluctuations. Comment pouvoir dire demain, nous sommes sur une stabilité, donc nous pouvons chasser l'espèce ? Résultat, on a une injonction qui vient d'arriver. C'est 17 espèces qu'on nous demande de retirer. Et en même temps que ça, vous avez les associations pour la protection de la nature, One Voice en tête, qui viennent de saisir effectivement l'État à travers le nouveau biais Natura 2000. Alors Natura 2000, c'était effectivement cette directive Habitat qu'on ne voulait pas. Hein, et l'Europe, pour la faire passer, vous vous rappelez, a fini par mettre du pognon sur la table. C'est toujours dangereux quand on commence à nous filer de l'argent pour accepter. On l'a fait. Je sais que beaucoup de gens étaient contre, mais les gens ont fini par accepter. Ils touchent de l'argent, un petit peu, mais c'est maintenant que ça va commencer à se compliquer. Parce qu'ils disent, et vous avez vu ce qui s'est passé, effectivement, par exemple, dans le bassin d'Arcachon, on prend les listes de l'UICN. Alors l'UICN, c'est les gens qui comptent, effectivement, les oiseaux, la dynamique de chaque espèce. Et il y a une partie qui est très préjudiciable pour nous, c'est le nombre de couples reproducteurs. Alors évidemment, dire qu'il n'y a pas d'oies qui nichent dans le bassin d'Arcachon, c'est du bon sens. Sauf que pour eux, ils disent, si le bassin d'Arcachon, il n'y a pas d'oies qui nichent, eh bien vous avez vu, l'oie cendrée, quand même, hein, un animal qui fait du dégât partout en Europe, a été retiré de la liste des espèces. C'est donc la nouvelle attaque. Et toutes les zones Natura 2000 vont être attaquées une par une. Et ça va poser de grands problèmes, parce qu'on a aussi des choses plus pragmatiques pour un département comme l'Aisne, perdrix grise, lapin. Alors bien sûr, les migrateurs vanneaux, bécassines, alouettes, mais, et bien sûr, tous les canards sont dedans, vous avez compris, et tous les limicoles, on va pas tourner autour du pot. Mais quand même, il y a des attaques qui sont là, diligentées directement contre des espèces sédentaires. C'est la plus grosse attaque que j'ai à gérer, croisé simultané, deux fois, sur deux textes européens, effectivement. Un qui vient d'être sorti, on ne savait même pas qu'il existait. Il y a un paragraphe, quelque part, qui avait été fait dans un amendement de la directive 79-409, donc 1979, dans trois ans après, je crois. Et puis maintenant, effectivement, sur le règlement intérieur de Natura 2000, je suis terriblement inquiet pour ce qui se passe là-dedans. Et vous le savez donc tous, mais je ne fais que le répéter, Bruxelles là-dessus, effectivement, vous l'avez compris, ne veut plus clairement qu'on chasse les oiseaux, le reste aussi probablement. Moi, j'ai pas envie de ressembler demain à une milice armée système allemand où on m'appellera juste à la chasse quand il y aura des dégâts d'une espèce, ce qui est le cas à peu près pour tout là-bas. Vous irez tirer un lièvre quand il y aura des dégâts de lièvre, vous irez tirer un faisan quand il y aura des dégâts de faisan, vous irez tirer un sanglier quand il y aura des dégâts de sanglier. C'est pas ça la chasse, mes amis. Moi, je vais à la chasse par passion. Le jour où je reçois un SMS le matin, tu dois partir à 9h parce que tu dois tuer 6 sangliers, un cerf, une biche, 2 ratons laveurs, un pigeon. C'est des conneries, ça. C'est pas nous, c'est pas la chasse. Nous, on n'est pas des machines à tuer, on n'est pas des animaux à sang-froid là-dessus. Oui, on a plaisir des fois à en tuer un et le manger, et on l'assume parfaitement, et moi le premier. Mais on n'est pas, effectivement, des milices armées, et c'est ce que veut l'Europe pour nous demain, et c'est comme ça qu'elle imagine les relations entre les hommes et la chasse, et surtout, bien sûr, ne plus avoir d'émotion, ne plus avoir de notion de plaisir d'aller à la chasse. C'est bien ce qu'on veut nous retirer, effectivement, hein, avec tout ce qui se passe et tous les liens qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos territoires et le vivant. Et surtout, bien sûr, nos animaux. Et là, on a un problème nouveau qui arrive pour les animaux. Vous avez sûrement entendu parler, on a envoyé d'ailleurs aux fédérations en quelques jours, cette nouvelle directive bien-traitance animale. Alors là, c'est du lourd, c'est du high level. Donc, je vais prendre que la partie qui touche effectivement à la chasse. Bon, vous verrez que si le texte va jusqu'au bout, je dis juste quand même qu'il est sorti des commissions où on a quand même des élus, députés européens qui siègent là-dedans partout. Hein. Moi, je leur envoie des courriers à répétition, il n'y en a jamais un qui me répond, mais quand même, là, c'est sorti des commissions, maintenant, ça va rentrer dans l'hémicycle. Donc, on nous explique qu'il faudra
Aujourd'hui, un examen de compétences pour pouvoir détenir un animal de compagnie. Bon, vérifiez que vous n'êtes pas à moitié fou si vous avez un chien ou un chat. Vous pourriez utiliser à d'autres choses qu'un animal de compagnie. On nous dit aussi qu'il faudra surveiller et que ça va devenir pénalement responsable pour vous. C'est l'accouplement, la date d'accouplement de votre chienne ou de votre chatte que vous avez à la maison. Donc, ils le mettent à 18 mois, un an et demi. Il est quand même noté clairement que si jamais votre chienne s'accouple plus tôt que 18 mois, vous êtes pénalement responsable. On a tous quelques roquets qui traînent dans le village. Il va falloir faire vachement gaffe. Hein. Quand Mirza elle fait un petit tour pour aller pisser dans le gazon, ça peut des fois se terminer en gang-bang. Et vous irez tous en prison. Donc c'est quand même incroyable, mais c'est comme ça. Bien évidemment, ce qui me fait peur beaucoup, et il y a un long paragraphe, c'est même 4 pages consécutives, sur le fait d'exposer pénalement son chien à un risque corporel. Et c'est notifié comme tel. Vous avez compris, les chiens courants. Les chiens courants. C'est une attaque majeure sur les chiens courants. On a prévenu la fac, on y travaille beaucoup. On va essayer évidemment de saisir tous nos députés européens, j'espère que pour une fois ils y seront, et qu'ils pourront effectivement y répondre, parce que c'est un énorme problème. Évidemment, un chien peut prendre un coup à la chasse, par un chien, par un sanglier, par n'importe quel animal, ou simplement d'autres choses. Et là, on nous dit, vous êtes pénalement responsable, avec des punitions pénales qui peuvent être à la hauteur de, je dirais, par exemple, de ne pas faire attention à vos enfants ou d'exposer vos enfants. Ce sera du même niveau pour un animal. Les chenilles. Alors, les chenilles, je vous dis, il y a une espèce de business à lancer dans le coin. Vos chiens peuvent plus être en chenille à des températures inférieures à 10 degrés ou supérieures à 25. Ah, rien, ça peut être facile. 10 degrés, 25 degrés. Alors là, il faut se lancer tout de suite dans la clim et le chauffage pour chenilles. Vous allez faire effectivement plein de pognon avec ça. Mais il y a tout un paragraphe sur l'hygrométrie. Alors là, nous, c'est le Pas-de-Calais. Question hygrométrie, on n'est pas bon. Nous, on est presque à élever les carmes dans les salons. Alors, l'hygrométrie, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Trop d'hygrométrie, on ne peut pas sortir l'animal parce qu'il pourrait ne pas être à l'aise. Et puis, un truc qui m'a marqué, j'en prends que quelques-uns, hein, parce qu'il y en a tellement. Il y en a un qui m'a marqué terriblement, c'est qu'il ne faut plus qu'un animal de compagnie dorme dans le noir. Et ils mettent des horaires. De 17h à 9h du matin, il faut qu'il y ait une veilleuse dans votre chenil pour votre chien ou votre chat ou votre canari ou votre lapin nain ou votre hamster. Bon, c'est les animaux de compagnie. Évidemment, les colliers de repérage ou les colliers électriques, c'est fini. Ben moi, je vais dire sincèrement, j'ai pas de collier de repérage, j'ai pas de courant, mais j'ai 2 cortales qui ont quand même 2 fils qui se touchent quand ils voient un lièvre passer ou papa l'a loupé, ce qui n'arrive jamais. Mais de temps en temps, et qui partent effectivement. Ben, le Pas-de-Calais, comme partout, il y a beaucoup de routes. Je n'aurai pas le collier électrique pour freiner les chiens. Et je ne suis pas du tout quelqu'un qui maltraite mes chiens. Mes chiens sont dans le canapé. Hein. Et quand je veux prétendre au canapé, s'ils sont mis avant moi, je n'ai jamais la loi, je ne peux pas les virer. Donc, ils ne sont pas malheureux. Mais par contre, je n'aurai pas le collier électrique pour bloquer les chiens quand ils courent après un lièvre. Ben, moi, l'espérance de vie de mes 2 chiens, ce serait quelques heures dans le Pas-de-Calais. Alors, comme quoi, on n'est pas des voyous parce qu'on utilise un collier électrique, soit pour freiner notre chien quand il suit un gibier, soit évidemment pour repérer nos courants quand ils sont partis. Ça, évidemment, c'est clairement expliqué qu'on va l'interdire purement et simplement. Donc, une liste à la Prévert. Je vous le dis franchement, avoir un animal de compagnie demain sera bientôt un luxe que seule une élite européenne aura la possibilité de se payer. C'est le but ultime, d'ailleurs. Vous le savez, c'est ce que veulent les animalistes, à savoir rompre définitivement avec cette mise en esclavage, comme ils le disent, cette mise en esclavage du monde animal pour notre simple plaisir de compagnie ou de chasse. Les amis, il va falloir qu'on accepte ce genre de choses et qu'on commence à se préparer à une évidence, comme je le dis souvent rigolant, le poisson rouge dans le bocal de votre fils, dans quelques années, ce sera son frère. Et il faudra l'accepter. Moi, je ne suis pas prêt à l'accepter. Un tissu de conneries pareil, il n'en est pas question. Si j'ai un doute et si je vois que ça tourne mal, le poisson rouge, je vais le bouffer. Comme ça, je n'aurai plus de problème avec personne. Hein, et on aura réglé, effectivement, un premier souci dans la maison. La Cour des comptes. La Cour des comptes a diligenté, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'Europe, il y a aussi des choses qui ne vont pas en France. La Cour des comptes a diligenté un audit auprès de la FNC, vous le savez, hein, il y a 2 ans de ça. On a ouvert une plateforme citoyenne, la Cour des comptes. Alors, vous vous rendez compte, la Cour des comptes a besoin maintenant de demander l'avis aux citoyens pour savoir ce qu'elle doit contrôler. Bon, c'est quand même
du lourd aussi de ce côté-là. Donc, il y a des gens, des écolos, et puis nous, on n'avait pas vu du tout, parce qu'on n'a jamais pensé surveiller la plateforme citoyenne de la Cour des comptes, et j'en ai à foutre, eh bien, j'aurais dû, parce qu'il y a quelques personnes qui ont dit, pourquoi pas aller contrôler les fédérations, les missions de service public, l'argent qu'ils ont dans la poche, venant de l'État, blablabla. On n'a pas vu, on a reçu un courrier un matin, vous êtes contrôlés. Paf, la fédération nationale, des fédérations régionales, une quinzaine de fédérations départementales, ils ont tout fouillé pendant 18 mois, il n'y a rien. Vous avez vu sortir ce truc-là, il n'y a rien. Du coup, j'ai dit tout de suite, on va faire une réponse du berger à la bergère, puisque maintenant, il y a une super plateforme citoyenne où on peut effectivement demander. Je vois bien qu'il y a pas mal d'associations écologistes qui sont basées effectivement en Alsace pour des facilités vis-à-vis du droit, du droit local, hein, et certaines exonérations fiscales, ça existe. J'ai dit, on va poser des questions, parce que le rayonnement, il n'est pas dans le droit local en Alsace, il est au niveau national. Je vous ai demandé à un moment, et vous en rappelez pour certains, de pousser effectivement deux demandes précises, hein, qui ont explosé tous les records, qui sont arrivées loin au-dessus de tout le monde. J'étais donc serein, je me dis, ça y est, voilà, on est dans la démocratie participative, c'est formidable. La Cour des comptes va enquêter sur ces deux dossiers qu'on a cités, qui me paraissent logiques et évidents. Grande surprise, la Cour des comptes ne les a pas retenus. Donc j'ai écrit quand même à Pierre Moscovici, et il n'y a plus grand-chose qui me surprend, hein, et j'ai demandé comment ça se fait, parce que vous nous aviez, moi, au courrier que j'avais envoyé, m'ont répondu, mais on ne peut pas faire autrement, c'est la plateforme citoyenne qui vous a désigné. Là, la plateforme citoyenne désigne les écolos, et il ne se passe rien. Il m'a répondu effectivement qu'il était désolé, mais qu'il avait oublié de me dire la dernière fois qu'il y avait aussi d'autres critères pour sélectionner, pour regarder. Bon, on a bien compris que ce soit à la Cour des comptes, mes amis, au Conseil d'État, comme partout dans la haute administration française et européenne, l'écologie militante a fait largement son nid. Il y a dorénavant deux types de justice, et j'assume mes propos, celle réservée aux écolos et aux associations pour la protection de la nature, et celle pour les autres, dont les chasseurs et les ruraux font malheureusement partie. Mais pour vous, et pour la chasse, nous devons continuer, je dois continuer à me battre, croire en l'avenir, au retour du bon sens, et me dire que le dogmatisme écologiste ou l'animalisme exacerbé ne peuvent et ne doivent surtout pas gagner. Car nous, chasseurs, nous, ruraux, nous avons la fierté d'être des maillons clés des écosystèmes, la passion, le partage, la convivialité, la transmission, les gens heureux. On l'a, nous, le concept du bonheur, on n'a rien demandé aux autres. Ce sont autant d'arguments qui font mouche aujourd'hui chez la jeune génération face à une société virtuelle qui ne répond d'ailleurs plus à leurs attentes. Alors c'est vrai, dans la salle aujourd'hui, on n'a peut-être pas tous 5000 followers sur son Facebook, mais nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on connaît. Et vous connaissez tous quelques centaines d'amis, des gens qu'on voit régulièrement, avec qui on peut parler, qu'on peut toucher, avec qui on peut rire, avec qui on vit, tout simplement. Je suis heureux comme vous de faire partie de cette nouvelle forme, de ne pas faire partie, pardon, de cette nouvelle forme de solitude humaine qui se transforme, hélas, on le voit de plus en plus, en violence sur les réseaux sociaux. Oui, mes amis, j'ai la culture de l'engueulade, les yeux dans les yeux, mais surtout pas à travers le clavier d'un ordinateur. Je partage ma vie, comme vous, avec d'autres personnes qui ont des valeurs, des cultures, des traditions et des modes de vie parfois différents, mais que je respecte et que je suis toujours heureux de découvrir, car, comme vous, le vivre ensemble est mon ADN. D'ailleurs, les chiffres parlent pour nous. Dans le vivre ensemble, il y a un sujet qui est quelque chose, sur les accidents à la chasse. La nouvelle baisse des accidents lors de la saison dernière témoigne des actions réalisées par les chasseurs pour renforcer la sécurité. Si on ne peut jamais, évidemment, se satisfaire qu'il y ait des accidents mortels, il y en a eu 6 l'année dernière, que des chasseurs, d'accord ? Rappelons que c'est sans aucune pression législative que nous y sommes arrivés. On a divisé par 5 les accidents mortels ou non mortels en 20 ans et on a multiplié par 5 le nombre de coups de carabine. Il ne faut quand même pas l'oublier. Les fédérations des chasseurs, comme chacun d'entre vous, sur le terrain, effectuent un travail extraordinaire et nous devons continuer ensemble de tendre vers le zéro accident. Mais je vous remercie et je suis très fier de ce que vous faites déjà en matière de sécurité. Par contre, les médias qui se délectent, il faut le dire, à chaque incident ou accident, parce que maintenant, il ne faut plus attendre les accidents. Tu as les incidents. Il y aurait pu avoir quelque chose de grave. Ça passe à TF1, hein, ou Antenne 2, ou partout. À BFM, j'en parle même pas. C'est toutes les demi-heures. On parle maintenant de choses qui auraient pu se produire. Si on devait parler de tous les accidents de la route qui ne sont pas arrivés, mais qui auraient pu se produire, on ne ferait que ça. Au niveau de la chasse, on est arrivé à ce niveau-là. Et pourtant, nous sommes de loin les meilleurs élèves de la classe européenne. J'aime pas faire de comparatif avec nos voisins.
les Espagnols l'année passée, 57 morts, 34 non-chasseurs. Il n'y a personne qui en parle à la télé. Il n'y a pas un mot sur la question. Un entrefilet dans un journal local, c'est tout ce que vous aurez. Nous, il y a une balle qui a ripé sur un pignon de maison. Je ne dis pas que c'est bien. Je me bats contre ça, et vous aussi. On fait la une de tous les médias de France. Alors après, je vois aussi ce qui est en train de se passer avec la traçabilité de nos armes. Et ça ne doit pas devenir une nouvelle façon détournée pour nous empêcher de pratiquer notre passion. Vous avez vu qu'on a créé effectivement un nouveau, enfin nous, pas moi, l'État a créé un nouveau fichier central des armes, ça s'appelle le SIA. Chaque détenteur d'armes fera dorénavant l'objet de vérifications périodiques avec le casier judiciaire et certains fichiers du ministère de l'Intérieur afin de s'assurer de sa capacité à acquérir, détenir des armes effectivement, mais par ricochet de garder son permis de chasser. Alors là, il y a un problème, ça s'appelle le B2. Vous savez, il y a 15 à 20%, je veux dire, c'est parce que je dis 15-20 entre les villes et les campagnes, mais on va dire 15%. 15% des gens qui sont dans cette salle aujourd'hui, hein, vous avez un B2. Alors moi, je le dis parce que j'en ai un. J'en ai un parce que j'ai fait un excès de vitesse qui était de plus de 40 km/h et c'est un délit. Donc j'ai une annotation au B2. Mais vous avez plus sûrement, si vous avez mon âge ou plus âgé, un autre B2. Je me rappelle d'un cas classique qu'on pouvait connaître dans nos campagnes il n'y a pas si longtemps que ça, le baloche du village du coin, ça tourne un petit peu à l'attention, il y a un mec qui a regardé la copine, on n'a pas apprécié, ça se met deux coups de poing dans la gueule et ça se termine avec une bière au bar et on est tous copains. On a connu ça par cœur. Les gendarmes viennent, prennent les noms, bon, ils finissent par boire un coup avec tout le monde et puis tout le monde repart à la maison. C'était une autre vie, c'est un autre temps, c'était quand même juste hier. Le problème, c'est que quand ces gens sont venus, ils ont relevé vos noms. Par exemple, et je prends cet exemple-là, vous avez une annotation dans votre B2. Alors, la loi dit normalement qu'il faut, la loi, l'État, doit tous les 3 ans nettoyer cette partie. Sauf que elle ne le fait pas, alors qu'elle est contrainte normalement et obligée de le faire. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Donc, je vous demande à tous de vérifier vos B2, parce que le jour où vous allez entrer dans le SIA, ce que personnellement, je n'ai toujours pas fait, je le dis clairement, mais je vois bien qu'on va devoir y arriver, mais je me battrai quand même jusqu'au bout pour ne pas devoir y aller. Mais vous avez le droit de demander si vous avez un casier, et vous seriez surpris. Demandez si vous avez un casier, après vous demandez par un deuxième courrier qu'on efface votre casier. Sinon, quand vous allez entrer dans ce SIA, et Dieu sait s'il y en a qui l'ont connu à leurs dépens, ou quand vous achetez une arme, depuis que ça a été lancé, vous avez ce problème, eh ben, vous n'avez plus le droit de détenir des armes, et surtout, vous n'avez plus le droit de chasser. Alors, vous n'êtes pas un voyou, mais le temps de prendre un avocat et de vous bagarrer, vous avez perdu 3 ans de chasse, et beaucoup n'y reviennent pas. Donc, surtout, faites attention à ça. Des nouvelles choses aussi qui arrivent. Vous engueulez avec votre voisin pour une connerie, parce que les gamins ont fait du bruit, j'en sais rien, la nuit dernière. Le mec, il appelle les gendarmes, hein, il dit, oui, mais lui, puis lui, j'ai peur, c'est un chasseur. Très bien, monsieur, papa. Eh bien, vous êtes tranquille, vous n'avez plus de permis de chasser. Je ne vous dis même pas si vous divorcez, homme ou femme, d'ailleurs. Il y a un peu de tension, il y a une main courante, ce qui arrive quand même 3 fois sur 4, ça se passe rarement bien, les divorces. Hein. Et j'ai même le cas, d'ailleurs, d'un homme qui a mis une main courante sur une femme qui était chasseresse, je le dis comme quoi que ça peut arriver dans les 200, eh bien, effectivement, dans une tension d'un divorce, vous perdez systématiquement votre permis de chasser et le droit de détenir des armes. Donc, soyez extrêmement vigilants. Moi, de mon côté, c'est simple. Je veux changer ce truc-là. Je me bats depuis le début contre ça. J'entends qu'il y a des gens qui ne doivent pas détenir d'armes. Il y a des féminicides, il y a des femmes qui sont tuées tous les jours, il y a des assassins, il y a des voyous, tout ce qu'on veut. Mais pour faire un petit comparatif, d'ailleurs, vous êtes un assassin multirécidiviste. Vous passez 30 ans hein, de votre vie en prison. Vous sortez. Vous avez le droit de tout retrouver, sauf votre permis de chasser. Si jamais vous étiez chasseur. C'est pour dire quand même que là, encore une fois, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc je ne veux pas, effectivement, qu'on mélange les deux. Alors on a beau nous raconter tout ce qu'on veut sur le monde de la chasse, mais ce que je rappelle souvent d'ailleurs au ministère de l'Intérieur, n'oubliez quand même jamais tous hein, que c'est beaucoup plus facile d'acheter une Kalachnikov dans une banlieue qu'un calibre 12 aujourd'hui chez l'armurier du coin. Les voyous, c'est pas nous. Les terroristes, c'est pas nous. Il n'y a personne qui attaque une banque ou qui attaque un lieu public au calibre 12. Il faut vraiment que ce soit illimité, quoi. Bon, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, arrêtez. L'État, je demande à l'État d'arrêter de nous prendre pour des voyous. Nous sommes des gens responsables pour nous comme pour les autres.
Alors évidemment, je reviens encore un point sur la sécurité. Elle est notre première préoccupation, et ça c'est très important, je le redis. Mais ça ne doit pas devenir non plus une opposition à l'exercice de la chasse. Je m'attarde là-dessus parce que c'est quelque chose qui vous touche directement. Que la loi implique dans tous les schémas, que chaque tir doit être un tir fichant, ça c'est du bon sens, on le sait. Le reste doit se décider au niveau départemental ou local. En clair, c'est la fédération départementale qui prend la main. Je me refuse à ce qu'il y ait une loi nationale sur les points de sécurité. Je me suis opposé au rapport du sénateur Chaise. Pour l'instant, c'est un peu pré-rangé. Mais je vois bien que nos DDT, monsieur le DDT, sont aujourd'hui mis sous pression, souvent par des demandes de l'OFB, où on nous annonce des choses et on nous demande des choses qui ne sont pas acceptables pour l'entièreté des territoires. Je vais prendre par exemple la matérialisation des angles de 30 degrés. Ça peut être bien pour un département. Qu'est-ce que vont faire les départements de montagne où les mecs sont postés tous, un chasseur tous les kilomètres avec des piquets d'angles de 30 degrés ? Parce que si on le met dans la loi de façon nationale et qu'on dit c'est obligatoire, comment je vais faire dans le Pas-de-Calais où nous on chasse, ça fera hurler la moitié sud de la France, mais où on tire les bécasses, les lièvres et les faisans, en même temps que les chevreuils ou les sangliers. On change juste entre les plombs et les sauvestres avec une traque un peu mouvante sur les côtés où on se déplace, on pousse un peu en U. Enfin, c'est ridicule. Oui, il y a des départements grand gibier pur, on peut peut-être le faire. Dans un département comme le mien ou dans d'autres départements, je refuse qu'on mette de façon obligatoire la matérialisation de l'angle des 30 degrés, comme d'ailleurs cette demande qui est arrivée à peu près partout en France de nous dire, peut-être pas chez vous, mais dans une bonne partie des départements, d'interdire le tir à balle au-dessus de 30 mètres. Mais c'est quoi ce délire ? 30 mètres ! Un fusil de chasse, on tire plus loin. On me dit, oui, mais c'est pour que ce soit fichant. Mais c'est bien ridicule. Ça peut être fichant à 100 mètres, comme ça peut ne pas être fichant à 10 mètres si tu tires sur une crête. Le fichant, on comprend ce que c'est. 30 mètres, ce n'est pas une règle applicable. Et puis après, côté de tout ça, moi je veux bien, mais comment on va protéger effectivement les cultures agricoles si on limite le tir à balle à 30 mètres ? En battu, c'est fini. C'est très compliqué, et je ne parle même pas, effectivement, de l'échec des prélèvements. Et Dieu sait si vous en avez besoin dans le département de l'Aisne actuellement de tenir une pression, et je l'entends, effectivement, qu'est-ce qui va se passer avec les accidents ? Ça aussi, on nous accuse de tous les maux de la terre. On ne serait pas là pour défendre les cultures agricoles, quoi qu'on en dise, et même si on va à la chasse par plaisir et par passion, on a aussi des fois conscience qu'on doit équilibrer. Et ça, on le fait très bien. Et qu'est-ce qui se passerait sur nos routes ? Vous savez combien il y a d'accidents ? L'année dernière, de collisions entre des animaux sauvages et des voitures, 14 000 dans ce pays. 67 morts, 841 blessés graves, dont la moitié garderont des séquelles jusqu'à la fin de leur vie. On arrête une année de chasser, comme nous demandent les écolos. Mais vous comptez les morts par milliers ? Mais par milliers ? Donc il faut arrêter aussi dans ce domaine-là. Je ne veux pas que la sécurité soit devienne quelque chose qui interdise ou qui empêche effectivement la pratique de la chasse fondamentalement comme on l'imagine et comme elle doit se passer. Pour autant, et je viens de soulever ces deux points, les cultures agricoles et les accidents, les collisions routières avec les animaux sauvages, et ben ce sont toujours les chasseurs qui payent les dégâts de gibier. Alors que notre chasse, quand on pèse tout ça et quand on regarde tout ça, eh ben, devrait être considérée comme d'utilité publique quand on va à la chasse au grand gibier. Moi, je demande qu'elle soit franchement défiscalisable au temps passé, parce qu'on sert l'intérêt collectif, quoi qu'on en dise, et un petit billet en plus pour le service rendu à la nation, ce serait quand même pas trop demandé. Nos demandes, comme la mienne, sont très claires dans ce domaine. Nous ne voulons plus être les seuls à payer les dégâts. Et si on ne les paye plus du tout, ça nous va très bien. Aujourd'hui, et je le sais, Franck le disait tout à l'heure, nous, on est tenus par la loi de faire la poche des chasseurs. On lève l'impôt, les gars. Il n'y a pas d'autre mot. On vient vous piquer votre pognon. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous sommes dans une loi de 68 qui dit, si le président ne le fait pas, il est relevé de ses fonctions, comme son conseil d'administration, sur le champ. Et on est mis sous tutelle de l'État immédiatement. On a un administrateur judiciaire. Deux fédérations ont eu ce problème en France depuis que je suis président. Il y en a une, ça, c'est enfin revenu dans les mains d'un président, là, il y a quelques semaines, cette année sous tutelle. Et pour en ressortir, bonjour. Donc c'est très, très, très compliqué, mais il faut, et ça c'est mon boulot, moi, je ne veux pas, effectivement, que la chasse devienne élitiste et que ça coûte tellement cher
qu'il y a des gens qui arrêtent de chasser, comme ça commence à être le cas dans pas mal d'endroits. Il n'y aurait pas les riches qui seraient postés et les pauvres avec des bâtons qui traqueraient. Jamais j'accepterais ça. Ce n'est pas ma vision de la chasse. J'ai défendu toute ma vie une chasse populaire et accessible au plus grand nombre. Donc, clairement, il faut attaquer fermement sur ce dossier comme je le fais et comme c'est en train de s'ouvrir. Il faut revoir cette loi de 68. Je me battrai. Voilà, on a beaucoup de choses à faire dans la chasse. On a beaucoup d'apports à amener à l'environnement, aux politiques environnementales, aux travaux qu'on doit mener conjointement avec nos collectivités territoriales, dont le Conseil régional, par exemple. Il est inadmissible que des fédérations, quand on a fini de payer les dégâts, il ne reste rien. Hein, sans plus. En plus, on a une vraie mission de police de la chasse à développer, hein, qui aujourd'hui est largement restreinte à cause de ces manques de moyens. Il y a encore 50 millions d'euros dans la corbeille de la mariée avec l'OFB. Il est temps de les récupérer et de ne plus payer les dégâts. C'est ce que je veux faire et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de mon mandat. Et j'espère y arriver bien avant la fin. Je vous tiendrai au courant. Mes amis, vous l'avez compris, à ce moment de notre histoire collective où l'alimentation devient aussi un enjeu économique majeur, nous sommes les empêcheurs de tourner en rond pour ceux qui rêvent de créer une alimentation sans lien avec le vivant. Coûte que coûte, continuer à manger le fruit de sa chasse est un enjeu collectif qui devient essentiel à l'échelle du monde. Il faut bien que vous preniez la mesure de ce qu'on représente, le danger que nous représentons. Nous sommes des gens en autarcie du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de régenter, il y a des gens qui ont envie de régenter l'alimentation. Aujourd'hui, on développe des idées de faire plutôt des côtelettes dans des éprouvettes hein, que, effectivement, de faire grandir, un animal pour le manger. Tout ça, on le sait très bien. Nous, on est un vrai danger idéologique à tout ça. On va dans la nature, on tue des animaux, à la chasse, à la pêche, on ramasse des végétaux qui sont libres d'accès et on les consomme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pose problème. C'est pour ça qu'on est aussi fortement attaqué. C'est pour ça qu'on a des associations qui reçoivent des dizaines de millions d'euros de grands groupes à l'étranger. Je pense à des grands groupes américains qui viennent aussi, qui envoient de l'argent de Nouvelle-Zélande et qu'on a des associations qui naissent aujourd'hui où là, l'État devrait enquêter quand même hein, et qui attaquent systématiquement tous nos arrêtés. C'est pas qu'il s'est passé quelque chose d'autre. Pourquoi on est autant attaqué juridiquement parlant? C'est parce qu'ils sont pleins de pognon. Et là aussi, comment on peut avoir encore un État français qui subventionne des gens dans des proportions indécentes pour attaquer les arrêtés qu'ensuite signent les ministres? Donc en fin de compte, c'est on file le bâton pour se faire battre, comme on dit chez nous. Ça choque personne, c'est au nom de la cause, c'est la planète, c'est tout ça. Mais il y a un moment, c'est ça la seule différence. Moi, j'aimerais qu'on regarde d'où vient ce pognon, à quoi il sert. Mais je sais à quoi il sert. Détruire la chasse, ce sera un grand pas hein, pour deux choses. L'alimentation, et aussi l'idéologie de ce que nous sommes, nos identités culturelles. Vous savez, un peuple hein, qui a perdu toutes ses racines, qui ne sait plus d'où il vient, on arrivera toujours à l'amener où on veut. Tandis que nous, on est des irréductibles gaulois. Nous, on est des gens qui ont des valeurs et qui fonctionnons différemment de ça. Nous représentons un énorme problème et un enjeu géopolitique majeur. On se défendra, on lâche rien, mais sachez-le, la chasse est un art populaire que nous devons défendre coûte que coûte, et pour moi comme pour vous, c'est un n'a de vivre. Continuer effectivement de manger notre venaison, c'est déjà défier effectivement le projet qui est contre nous. Mes amis, vous l'avez compris, j'ai fait un petit tour d'horizon, peut-être pas si rapide que ça, j'ai pas soulevé tous les dossiers, il y en a des piles sur mon bureau, on n'a jamais été attaqué comme on est attaqué aujourd'hui, et sur tous les fronts en même temps. Alors oui, évidemment, des questions se posent et m'inquiètent profondément, je le dis souvent, mais je les répète quelques-unes avant d'arrêter là. Pourrons-nous encore mettre un ver de terre sur un hameçon sans nous retrouver devant un tribunal pour sadisme ou barbarie? Vous avez vu la polémique qui est en train d'attaquer le monde de la pêche? Aujourd'hui, on dit, mais comment vous pouvez trucider un asticot, bande de malades, pour attraper un poisson? Mais ça va jusque-là. Même le no-kill, là où nos amis pêcheurs ont pensé qu'il fallait mieux jamais se rapprocher de nous, on était quand même les cousins embarrassants. Les chasseurs trop médiatisés, trop violents, trop tout ça. Le patron des pêcheurs que je connais bien, il me dit non, jamais voulu faire une photo avec moi, le mec. Roustan, il a jamais voulu se faire photographier avec moi. Aujourd'hui, on lui dit, mais quoi, le no-kill? Dans le fond, nous, même si on est attaqué idéologiquement, je l'entends, tu tues un animal, en le respectant, bien sûr, avec de l'éthique, tu le manges, voilà, tu le consommes, voilà. Les mecs qui font du no-kill, qu'est-ce qu'ils font?
J'entends, hein. J'entends, oui. Cette loi qui est en train de se préparer à Bruxelles, pour eux, elle va être étonnante. Vous sortez un poisson de l'eau juste pour en faire une photo, le peser. Vous êtes un sadique. Vous êtes un sadique. Vous le bouffez même pas, vous le remettez à l'eau. Vous êtes un grand malade. Et là où ils pensaient être protégés depuis des années, les pêcheurs, eh ben, ils vont manger sévère. Il est temps de bosser ensemble sur ces sujets. Il y a des années que je demande à la pêche de nous rejoindre. Elle ne le fait pas. Elle va, je pense, se retrouver seule. Même si c'est tard, on sera prêt à leur ouvrir les bras. Mais il y a des choses qu'ils auraient pu contrer avant. Alors effectivement, pourrons-nous encore manger demain de la viande, sans, comme nous le souhaitons d'ailleurs, puisqu'on nous parle aujourd'hui d'une dose annuelle de maximum de protéines animales qui serait liée effectivement à ce qu'on représente en empreinte carbone et en gaz à effet de serre. Quand tu lis ça quand même, c'est impressionnant. Est-ce qu'on pourra encore rouler dans une voiture à essence ou diesel sans tout rouler sous les taxes écologiques? D'autant que je vous le dis franchement, l'histoire de la voiture électrique, comme dans l'état où elle est actuellement, au prix qu'elle coûte, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'acheter. Hein. Et surtout ceux qui l'achèteront, ils auront bien du mal à l'utiliser dans nos territoires ruraux, il faut faire 40, 50, 100 km pour aller chercher à bouffer ou aller au boulot. C'est n'importe quoi aussi. Pourrons-nous, comme je l'ai cité avec cette directive, est-ce qu'on pourra encore demain détenir un animal de compagnie, quel qu'il soit, d'ailleurs sans être accusé pour un oui ou pour un non, effectivement, de maltraitance. Vous l'avez compris, vous pouvez mettre le gamin dans le jardin par moins 10, vous irez pas au tribunal, mettez pas le chien, hein. Vous allez avoir des sacrés problèmes si tout ça, ça passe. Pourrons-nous, effectivement, encore simplement pour nous, aller dans la nature, cueillir un champignon, pêcher un poisson, tuer un oiseau ou un sanglier, le manger, effectivement, ou est-ce qu'on sera considéré comme des serial killers du troisième millénaire? J'en sais rien, mais à la vitesse où vont les choses. Et pour la première fois de ma vie, eh bien, je vous le dis sincèrement, je n'en suis malheureusement plus sûr. Alors, mes amis, pour terminer, bah, écoutez, soyons fiers. Soyons fiers de ce que nous sommes, de toutes nos pratiques, et ne laissons plus jamais personne nous dire le contraire. Nous devons défendre toute la chasse, même la plus petite partie, la plus petite parcelle de celle-ci. Nous ne sommes plus les seuls à en avoir marre, et je terminerai sur ce petit mot-là aussi, c'est remercier le monde agricole. Ils ont initié quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, on n'aurait jamais imaginé que dans une émission télévisuelle, on puisse dire du mal de l'écologie. Maintenant, il y a quand même pas mal de journalistes quand même qui commencent à les trouver cons. C'est déjà un grand point. Ça, c'est grâce aux agriculteurs. C'est grâce à la démarche qu'ils ont faite, effectivement. J'espère qu'ils tiendront le coup. On ouvre enfin une brèche où on peut dire, ben oui, l'écologie politique, l'écologie punitive, c'est pas ce qu'on veut pour notre vie, c'est pas ce qu'on veut pour nos terroirs, c'est pas ce qu'on veut pour nos territoires. Elle est en train de nous faire crever de faim, de nous retirer nos passions, de tourner tout ce qu'on aime dans la vie. Donc, à ce moment, en ce moment effectivement très complexe et très difficile, vous dire simplement qu'on doit rester unis. Vous pourrez toujours compter sur moi. J'ai besoin de vous pour me soutenir dans tous ces combats. Je remercie Franck qui fait un travail extraordinaire pour le faire. Vous avez un président besogneux, un président qui est appliqué avec un directeur hors pair. Il y a un tandem d'enfer dans l'Aisne. Vous faites un travail remarquable. Merci Franck pour ton soutien au national et au régional. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Vive la chasse et vive la ruralité. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Il y a des questions, peut-être, c'est ça, on fait les questions. Pas de questions? Non. C'était bien. Je dois répondre à la question du monsieur ou pas? Bon, pas de questions. On n'a plus le temps pour les questions. Merci Willy, félicitations. T'as réveillé la salle, t'as donné la patate. Donc c'est un grand plaisir. On avait prévu un temps d'échange. Pour tenir les horaires, je vous propose, Willy sera là jusqu'à 14h. Après, il doit nous quitter pour aller retrouver les collègues des Ardennes. 13h30. 13h30, d'accord. Merci. On va se garder une heure et demie de présence de Willy et les uns et les autres. On aura des discussions avec lui, on pourra aller le voir et on pourra discuter. D'accord. Donc, pour essayer de tenir le timing, je n'ouvre pas la discussion avec la salle, malheureusement. Mais c'était une grande joie de t'écouter pendant une heure. Mais c'était galvanisant. Et c'est pas simple de passer après toi.
Mes chers amis, je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour notre assemblée. C'est un moment important dans la vie de notre association, un moment de discussion, un moment d'échange, un peu écourté aujourd'hui, un moment de partage et un moment de convivialité. Je te remercie, Willy, de ta présence aujourd'hui pour tes propos qui nous montrent qu'il y a bien un patron à la tête de la chasse française. Un patron nourri de convictions, un patron qui n'a pas peur d'affirmer sa fierté d'être chasseur et un patron qui a un dessein pour l'avenir de notre passion sous toutes ses formes. La dernière étude économique, environnement et sociétal initiée par la FNSEA 2023 est pleine d'enseignements. J'y reviens parce qu'elle est importante. L'effectif des chasseurs se féminise, avec une augmentation de 25% du nombre de femmes en 10 ans. 42% des chasseurs ont moins de 55 ans. 50% des chasseurs sont en activité. Il y a autant d'employés, d'ouvriers que de cadres. Et 77% des chasseurs vivent dans le milieu rural. Cette enquête montre aussi l'apport de la chasse à l'économie française. 37 400 emplois sont liés à la chasse. La chasse contribue pour 3,6 milliards d'euros à la richesse nationale. La dépense des chasseurs représente 4,2 milliards d'euros en 2022, dont les principales sont l'achat de véhicules pour 1,2 milliard, les équipements pour 945 millions, les frais d'accès à la chasse et l'entretien pour 910 millions, le transport, l'hébergement et la restauration pour 805 millions, et enfin 380 millions pour nos auxiliaires de chasse. Cette enquête révèle aussi que la première motivation des chasseurs est d'être au contact avec la nature et de l'observer, mais aussi la convivialité en faisant partie d'un groupe, et enfin la complicité avec son auxiliaire de chasse. Pour finir, cette enquête fait le point sur l'engagement des chasseurs pour la vie rurale. 87% des chasseurs se mobilisent bénévolement au service de leur pratique, de la sauvegarde de la biodiversité, de l'entretien du territoire et au profit d'actions socio-culturelles. Cela représente, comme tu le disais, 27 jours par an, par chasseur, 173 millions d'heures, correspondant à 108 000 équivalents temps plein pour la dernière saison. Merci, Willy, d'avoir diligenté cette enquête. Fini la défense cynégétique de salon du passé. Fini le temps où nous disions à demi-mot que nous étions chasseurs. Ces chiffres sont éloquents. Nous pouvons et nous devons être fiers d'être des chasseurs investis au cœur et pour nos territoires. Enfin, Willy, je tiens à saluer l'énergie et la détermination avec lesquelles tu défends tous les modes de chasse. Je pense ici aux chasses traditionnelles et notamment la tendrie de nos voisins ardennais, mais aussi la vénerie que tu as découvert et pour qui tu as mouillé le maillot, et enfin la vénerie sous terre qui est malmenée avec la période complémentaire à partir du 15 mai. Tu as impulsé une étude scientifique inédite en 2023 sur la période de sevrage des blaireautins à travers l'analyse approfondie de leurs contenus stomacaux. Comme toi, nous sommes impatients des résultats de cette étude. Enfin, Willy, je tiens à te féliciter sincèrement pour ton engagement bénévole, à 1000% pour la défense de notre passion. Car tu as mis de côté ta vie professionnelle, tu as accepté de souvent mettre entre parenthèses ta vie familiale, tu donnes sans compter, tu subis des attaques permanentes et de menaces honteuses trop souvent. Au nom des chasseurs de laine, sois-en chaleureusement remercié. Alors n'hésitez pas à applaudir, parce que ça peut me remonter le moral à des moments où si vous trouvez des choses judicieuses, ça me donnera de l'allant. Juste en aparté, je tiens à remercier le président du conseil départemental qui est arrivé au début de l'intervention de Willy. Merci Nicolas Fricoteau. Merci au sénateur Lefebvre qui était arrivé en même temps. Et merci à Carole Ribeiro que je n'avais pas vue tout à l'heure, mais que je découvre là. Merci à vous. Parlons maintenant des moments clés de cette année et des pistes possibles pour l'avenir. Commençons par les dégâts. Une facture de 2,2 millions d'euros à régler en baisse de 10% par rapport à l'année dernière, dont 1,7 million pour le sanglier en baisse de 13% et 500 000 euros pour le cervidé en hausse de 13%. Des surfaces détruites en sanglier qui passent de 1150 hectares à 1018 hectares et 185 hectares à 246 hectares en cervidé.
beaucoup trop loin du contrat agro-cynégétique qui prévoyait 623 hectares en sangliers et 69 hectares en cervidés. Le plan de résilience est venu atténuer vos contributions l'an passé pour 821 000 euros et il viendra cette année atténuer vos contributions pour 637 000 euros. Pour mémoire, il n'a jamais été dit que ce plan de résilience ne devait servir qu'à payer la note des dégâts. Autant l'an passé, avec l'augmentation conjoncturelle du prix des céréales, c'était justifié. Mais je vous avoue que nous imaginions plus cette année s'en servir pour améliorer la prévention des cultures. Devant l'ampleur des dégâts, nous nous sommes résignés à le retrancher des contributions, car il était difficilement concevable de faire un effort sur l'augmentation des prélèvements et de voir des factures tonitruantes couronner ces efforts. Partout où la situation des dégâts s'est améliorée, les contributions doivent baisser, malgré les 200 000 euros de résilience en moins. L'application de la résilience sur les dégâts provoque une baisse, pour tous, de 37% de vos contributions normalement dues. Je vous rappelle que le plan de résilience résulte d'un accord national où nous devons faire baisser les surfaces détruites en sangliers de 30% en 3 ans, avec l'année 2019 en référence. Ce n'est pas un cadeau fait aux chasseurs, c'est une contrepartie à une obligation de baisser les surfaces détruites. Pour les cervidés, la note est elle aussi salée. Je vous ai donné les chiffres, mais il faut bien analyser le pourquoi de ces chiffres et en trouver les raisons. Les 3 secteurs chauds sont la Souche, Saint-Gobain et Villers-Cotterêts avec ses ramifications dans l'Ourcq et dans l'Oise. Concernant la Souche, la surpopulation croisée avec une intensification des manœuvres sur le camp militaire de Sissonne, 5 jours sur 7, doivent en être les raisons. L'augmentation des plans de chasse de 90% sur ce secteur permettra de vite rentrer dans une situation raisonnable. Et j'en prends pour preuve les réalisations et les INA qui donnent dès la première année du triennal une baisse de 30% des contacts. Concernant Saint-Gobain et Villers-Cotterêts, la problématique semble bien différente, car on observe une fuite des animaux de la forêt domaniale dès le 15 octobre vers les bois périphériques et un retour vers la domaniale à partir du 1er février ou du 1er mars pour Saint-Gobain. La pression de chasse est la même que d'habitude. Il n'y a pas plus de promeneurs qu'avant, mais il est certain que l'exploitation forestière s'est intensifiée. D'habitude organisée, l'exploitation ces 3 dernières années s'est faite tout azimut, certainement pour retirer les arbres sensibilisés par les sécheresses et les maladies. Pas une parcelle n'a pas vu une tronçonneuse durant ce laps de temps. N'y voyez pas là une critique, mais un constat. Les grands cervidés aiment la quiétude et ces exploitations partout les ont sans aucun doute perturbées. Il ne faut pas non plus ignorer la présence des grands prédateurs, tels le loup, qui ont une action sur le comportement des hardes, notamment en forêt de Saint-Gobain, où nous avons vu pour la seconde année 150 animaux rester en plaine toute la journée, 7 jours sur 7, au milieu des champs et provoquer ainsi des dégâts considérables pendant l'hiver. Sommes-nous devenus fous d'accepter que le loup recolonise nos contrées au XXIe siècle après l'avoir exterminé au XIXe siècle ? Permettez-moi de revenir quelques instants sur la situation du sanglier après cette saison de forts prélèvements. Nous frôlons les 20 000 animaux prélevés. Certains pourraient dire que c'est un record, mais dans mon esprit, les records sont réservés aux athlètes cet été pour les Jeux Olympiques. Il s'agit plus d'un passage obligé et la fin du plan de chasse pour un plan de gestion décidé par le conseil d'administration nous a permis de responsabiliser les chasseurs. Le mot d'ordre en matière de sanglier est la restauration des équilibres. Chacun a pu choisir le nombre de sangliers à prélever, avec un minimum obligatoire quand même, pour revenir à une situation acceptable. Je dois féliciter la grande majorité des détenteurs de territoires qui ont compris ce discours et qui se sont mis en action pour contraindre les populations toujours sous-estimé. Je reste très attentif aux territoires, dans les secteurs chauds,
qui ont cessé de prélever dès le début du mois de février, ou d'autres qui ont amusé la galerie en février et en mars, et les derniers qui se sont limités au tiers de l'attribution triennale. Nous prenons acte de l'investissement de chacun des territoires, mais nous serons comptables des dégâts printaniers en les localisant précisément, et nous verrons bien. La meilleure façon de bien voir est d'avoir tout sous les yeux. Pour ce faire, en 2023, nous avons opté pour le système de cartographie SIG. C'est un outil merveilleux qui va nous permettre de piloter la gestion de la grande faune par microsecteur. Nous avons cartographié tous les territoires, nous avons équipé des estimateurs de tablettes afin qu'ils géolocalisent les parcelles endommagées, et nous sommes passés à la géolocalisation des prélèvements en 2023. Nous allons pouvoir croiser les informations dégâts avec les prélèvements et les territoires. Nous verrons ainsi l'action que vous avez eue sur les populations. Le SIG doit nous servir à être meilleur en détectant les zones à problème et être plus juste en agissant sur les auteurs de ces problèmes. Il nous permettra de mettre en responsabilité le chasseur s'il est défaillant, une collectivité si elle est négligente, en particulier en refusant la chasse sur des territoires, ou l'agriculteur qui peut être la propre cause des dégâts survenus chez lui. La grille d'abattement doit être appliquée maintenant de façon systématique, car la cartographie va nous permettre d'avoir des dossiers étayés, ne souffrant d'aucune contestation en commission départementale d'indemnisation ou en commission nationale. Avec un tel outil de précision, il est évident que les contributions sangliers pour le prochain triennal se feront en fonction de la cartographie et non plus sur une référence historique de prélèvement. Je vous le redis pour être sûr de bien être entendu. Les contributions sangliers pour le prochain triennal se feront en fonction de la cartographie et non plus sur une référence historique de prélèvement. Pour clore sur ce chapitre de dégâts et plan d'action sanglier, je voudrais remercier l'énorme travail accompli par Philippe Patou, qui a pris à bras le corps ce dossier pour le moins épineux, et remercier le service technique Grand Gibier et Prévention, ainsi que le service dégâts et le service cartographie, qui ont fait preuve d'adaptation, de pragmatisme et d'engagement. Enfin, je voudrais tous vous rassurer, amis chasseurs, nous chasserons toujours le sanglier dans l'Aisne, mais je vous garantis que ce sera en respectant les équilibres que nous le chasserons avec plaisir. Permettez-moi maintenant de vous livrer ma vision d'avenir pour la Fédération. Une fédération vivante et accueillante. Pour les jeunes, toujours plus nombreux à se présenter pour l'obtention du permis de chasser. Cette année, 401 jeunes ont passé le permis, dont 78 femmes, avec un taux de réussite de 76%. Je remercie tous les bénévoles qui s'engagent pour transmettre le savoir et mettre en confiance les candidats. Nous proposons, à partir de cette année, et je remercie François Raynon, qui a porté ce projet depuis de longues années, une séance de cinématire au nouveau permis pour les initiés à l'art de la balistique. Les chasseurs pourront aussi réserver des créneaux lors de ces journées pour améliorer leurs performances. Une fédération vivante et accueillante pour les 130 responsables grand gibier et les 600 délégués communaux petit gibier qui fournissent un travail important et essentiel grâce à leur connaissance de terrain. Une fédération vivante et accueillante pour les responsabilités de gestion avec qui nous entretenons des liens forts avec notre secrétaire général Dominique Mollet. Une fédération vivante et accueillante pour les associations spécialisées avec qui nous échangeons sur tous les dossiers de fond et de crise. Que ce soit les chasseurs de gibier d'eau, de grand gibier, de pigeons, de bécasses, les conducteurs de chiens de sang, les veneurs, les déterreurs, les archers, les fauconniers, les jeunes chasseurs, les piégeurs et les gardes particuliers. Chacun doit trouver sa place au sein de notre fédération et nous avons un œil attentif sur leur travail et nos échanges sont fondamentaux. Une fédération vivante et accueillante pour les associations regroupées au sein de Natura Agora, que ce soit les pêcheurs, les randonneurs, les colombophiles, les apiculteurs, les défenseurs des chemins ruraux, la maison de l'oiseau et les scientifiques de l'ADRE et notre cabinet d'études.
Nos échanges nous font progresser vers une nature partagée. Une fédération vivante et accueillante pour les 5000 scolaires que nous accueillons sur nos différents sites pour les éveiller à la nature. La fédération doit aussi être ouverte aux autres. Par nos actions en faveur de la biodiversité avec les nichoirs à mésanges pour lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires, avec nos bouchons pièges pour les frelons asiatiques, avec nos bacs à boue pour les hirondelles, avec nos abreuvoirs pour la petite faune de plaine, avec nos cultures faunistiques implantées et avec les kilomètres de haies que nous plantons. La fédération doit être ouverte aux autres par l'action Hauts-de-France propre et ses 386 points de ramassage qui ont permis de retirer 1482 mètres cubes de déchets de nos campagnes aixonaises. La fédération doit être ouverte aux autres par notre participation au réseau Diane avec la gendarmerie où nous tissons des liens étroits avec les brigades territoriales pour la remontée d'informations. La fédération doit être ouverte aux autres par notre implication aux côtés des parquets en ce qui concerne les formations aux préjudiciables. La fédération doit être ouverte aux autres par notre travail étroit avec les communautés de communes et communautés d'agglomération pour rendre des services de proximité aux maires qui sont de plus en plus souvent seuls face à des problèmes du quotidien. 25% du territoire est conventionné. La fédération doit être innovante et performante. La technologie des radars ornithologiques doit nous permettre d'acquérir de la connaissance sur le suivi des espèces migratrices. Un prochain couplage avec les données des radars de Météo France viendra donner une couverture spatiale en plus d'une information qualitative. La télédéclaration est l'avenir en termes de déclaration de prélèvement. Nous connaissions ChasseAdapt, nous avons créé notre propre logiciel de prélèvement pour le sanglier. Malgré les réticences des débuts, tous les chasseurs se sont appropriés cette technologie. Demain, tous les prélèvements se feront par ce biais, non pas parce que c'est moderne, mais plutôt pour faire fonctionner la cartographie qui sera pleine d'enseignements sur les couloirs de migration, les dates de celles-ci, sur la vitalité des espèces ou sur la présence géographique des espèces qui occasionnent des dégâts. En matière de petits gibiers, nous devons revoir notre copie. Nos constats a posteriori sont intéressants, mais ils ne sont là que pour constater un fait. Il nous faut s'attaquer aux raisons des difficultés de la perdrix à se développer. 25 fédérations regroupées au sein de la Crète ont décidé de réfléchir ensemble sur la grande zone géographique Est, Centre et Nord, sur les raises du manque d'adaptation des perdrix grises à leur environnement. C'est un vaste chantier qui va nous permettre la mise en commun de nos expériences et d'imaginer les fondements d'une étude scientifique sur les causes probables du déclin de l'espèce. Nous devons prendre en considération les résultats de l'étude Pégase menée en son temps, en y ajoutant de nouveaux paramètres, comme le changement climatique, avec les effets qu'il peut avoir sur le manque d'eau ou d'humidité au moment de l'éclosion, mais aussi sur le manque d'insectes dans les premières semaines de vie des poussins. L'étude devra prendre aussi en considération les nouveaux modes de fertilisation, avec l'arrivée massive de compost de fumier de poule, qui peuvent, suivant le process de fabrication, être porteurs d'agents pathogènes ou chargés de molécules chimiques néfastes. C'est une étude d'ampleur qui nécessitera des fonds importants et il est primordial que la FNC puisse porter ce projet et capter ainsi les financements via l'éco-contribution ou d'autres sources à définir. Nous ne laisserons pas la perdrix partir de nos plaines sans ce dernier combat. En matière de performance, il nous faut aussi évoluer dans nos modes de chasse, s'ouvrir à de nouvelles pratiques. La traque à fût en fait partie. À elle seule, elle ne doit pas remplacer nos battues traditionnelles, mais elle doit être un moyen complémentaire pour la réalisation des objectifs de prélèvement. Les archers doivent être mieux associés à nos actions de chasse. Ils sont de plus en plus nombreux, et il est dommage de les voir trop souvent placés comme les autres chasseurs, en ligne, devant ainsi décocher sur des animaux en pleine vitesse. Il est préférable de les trouver aux endroits stratégiques de nos battues pour qu'ils décochent sereinement et ainsi assurer des prélèvements de sélection. Je viens de vous parler de notre volonté d'avoir une fédération vivante, accueillante, à l'écoute
innovante et performante. Mais votre fédération se doit d'être encore plus responsable. La sécurité reste la priorité de notre fédération. À ce jour, 30% des chasseurs actionnés ont suivi la remise à niveau décennale sur la sécurité de façon dématérialisée. Pour accélérer le mouvement, des réunions vont être organisées sur nos 27 unités de gestion par nos agents de développement formés à ce module. En parallèle de cette remise à niveau, la formation des directeurs de chasse et de chefs de ligne ne désemplit pas. En plus de la sécurité, un volet responsabilité des gestes et des gestes qui sauvent sont inclus dans cette formation. La sécurité est au cœur de nos préoccupations. Il nous faut être responsables en matière de dégâts agricoles. Les chasseurs doivent s'impliquer dans la protection des cultures. Il ne faut pas croire que les clôtures sont l'affaire des agriculteurs. Les dégâts sont une souffrance pour eux et une peine financière pour nous. Nous devons être acteurs dans l'efficience de la prévention. Une clôture qui fonctionne, c'est une facture de moins à payer. Il ne faut pas sourire d'un champ qui se fait dévorer, car in fine, il faut le dédommager. L'agriculteur ne doit pas tout attendre des chasseurs non plus. Alors qu'il se protège de tout, des insectes, des maladies, du climat, des attaques de pigeons ou autres, nous devrions tout faire seuls pour éviter la survenance des dégâts. Ce n'est pas possible. Nous faisons déjà tellement d'efforts pour contenir les populations à un prix exorbitant. Il faut une prise de conscience de tous et un vrai partenariat gagnant-gagnant. De la même façon que le chasseur passe du temps à grainer pour éviter les dégâts, à broyer ses layons et à renforcer ses postes de tir pour toujours plus de sécurité, il n'est pas illogique qu'il donne une partie de son temps pour aider à poser les clôtures le long de ses parcelles de chasse et à les surveiller pendant la période de sensibilité. Si le chasseur s'investit dans cette mission, il verra immédiatement l'impact financier sur ses contributions. Mais rassurez-vous, si l'agriculteur est négligent et qu'il détériore la prévention posée, nous serons intraitables et nous appliquerons la grille d'abattement et la mise en responsabilité. Dans ce dossier, nous avons tout à gagner à travailler intelligemment avec la profession agricole. Puisque nous sommes sur ce dossier, il est indispensable que la loi de 1968 qui prévoit le système d'indemnisation des dégâts change. Nous sommes au bord de l'implosion, avec une équation financière que seuls les chasseurs ne peuvent plus supporter, tellement les causes de ces dégâts sont polyfactorielles. Il y a urgence à changer. Être responsable avec nos partenaires forestiers, c'est accepter d'échanger. C'est d'essayer de comprendre leurs problématiques face au changement climatique et aux maladies qui touchent certaines essences pour trouver des terrains d'entente. Là aussi, il y a des actions menées à Bois-Landry ou en forêt d'Épernay qui doivent nous questionner. La méthode Brossier-Palu doit nous interpeller. L'équilibre forêt-gibier mérite d'être travaillé. Nous devons nous pencher sur les ICE, les indicateurs de changement écologique, afin d'aboutir à un constat partagé dans le but de trouver des équilibres entre la présence des populations d'ongulés et leur impact sur l'environnement. Pour ma part, je suis prêt à ouvrir ces échanges s'ils sont sincères, transparents et objectifs. Mais il faut parler de tout, et quand je dis de tout, c'est de tout. Je pense notamment au comité de massif abandonné depuis bien trop longtemps par l'ONF. Je pense à la capacité d'accueil proposée. Et je pense aux locations pour lesquelles nous avions souhaité il y a 5 ans qu'un bail voit le jour avec des objectifs sylvicoles et financiers. Nous devrons donc parler pour que nos discussions aboutissent de l'équilibre forêt, gibier, porte-monnaie. Sans ce dernier volet, qui est sans doute la clé de la réussite pour ce dossier, j'ai peur que nos discussions soient vaines. J'ai apprécié la réponse du ministre de la Transition écologique au rapport annuel de la Cour des comptes 2024. Je le cite, « Le déséquilibre ne trouvera de solution qu'à travers la mobilisation simultanée de diagnostics partagés entre forestiers et chasseurs et d'un objectif de régulation primant sur une chasse marchande. » Une fédération responsable est une fédération qui dispose d'une vraie police de la chasse. Alors que l'État s'est désengagé dans cette mission avec seulement 10% de l'activité de ses agents de l'OFB, nous sommes dotés d'agents de développement cynégétique, au nombre de 20 pour nos 27 unités de gestion. Nous finançons ces agents par une contribution hectare à hauteur de 50 centimes et par le timbre emploi,
qui représente une somme de 21 euros par permis pris pour un budget de 500 000 euros. Ces agents sont employés par les GIC et nous les soutenons financièrement pour la réalisation de nombreuses missions, dont la police de la chasse sur l'ensemble du territoire. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour assurer leur fonctionnement, leur financement. Et dans le même temps, chaque chasseur, lorsqu'il prend son permis, verse une taxe de 48 euros à l'État pour financer l'OFB qui avait pour mission la police de la chasse. Pour notre département, les chasseurs versent donc 500 000 euros à l'État. Il est grand temps que nous arrêtions de payer pour un service qui n'est plus rendu. Nous ne devons plus payer ces 48 euros. Faites confiance aux fédérations pour qu'elles prennent en charge une vraie police de la chasse, basée sur des agents assermentés, compétents et disponibles. J'en profite pour féliciter nos agents pour la qualité du travail accompli cette saison et je tiens à leur dire que je suis très attentif à l'avenir de la garderie dans notre département. Une fédération responsable est une fédération qui n'hésite pas à dire que l'éolien doit cesser son expansion. Nos paysages axonnés sont meurtris par ces mâts qui défigurent nos campagnes. Nous sommes pleinement investis dans nos territoires et c'est une souffrance de les voir ainsi. Bon nombre de chasseurs ont cessé la chasse en plaine sur ces territoires mutilés qu'ils avaient l'habitude d'arpenter dès leur enfance. C'est inacceptable. Qu'on ne nous fasse pas croire que les agriculteurs ont besoin de ces éoliennes pour vivre. Ils ont certainement plus besoin de prix rémunérateurs. Il serait plus judicieux de proposer d'équiper tous les bâtiments de ferme en photovoltaïque. Et surtout, qu'on ne nous dise pas que les mesures compensatoires sont là pour atténuer les effets négatifs de l'éolien, quand on voit la perte de biodiversité ordinaire autour de ces champs d'éolien. Trop, c'est trop. Une fédération responsable est une fédération qui s'insurge contre la fin du plomb dans les zones humides et le passage à un substitut. Samedi dernier, j'étais à l'Assemblée des chasseurs de pigeons ramiers. Un tiers des présents me faisait part de leur volonté d'arrêter leur passion car ils allaient devoir changer de fusil pour tirer ces substituts. Et près de 40% m'ont dit que le prix exorbitant de ces cartouches les forcerait à arrêter. Peut-on laisser faire ça ? Alors que la Norvège, dans le même temps, fait machine arrière et revient à l'utilisation du plomb, que fait l'Europe ? Une fédération responsable est une fédération qui soutient la vénerie sous terre. Et c'est des terreurs. Concernant la période complémentaire du bleu à partir du 15 mai, nous avons fait un travail énorme en région pour localiser toutes les blaireautières de l'Aisne et de la région. Nous avons mené une enquête sur les collisions avec les blaireaux. Le Conseil d'État considère même que le blaireau est une espèce dont la chasse ne peut être autorisée sans que cela nuise à son état de conservation. Le blaireau occasionne des dégâts importants aux cultures dans certaines zones, il occasionne des dégâts sur les ouvrages d'art et il est porteur de la tuberculose bovine. Malgré tout cela, on se demande s'il faut donner la période complémentaire. Les bras m'en tombent. Je veux réassurer les services de l'État. Le déterrage est strictement encadré par un arrêté ministériel pour garantir la sélectivité des captures. Alors je vous demande de vous prononcer favorablement et rapidement pour la période complémentaire du blaireau à partir du 15 mai, en vous basant sur l'arrêt du Conseil d'État. Voilà, mes chers amis, nos ambitions pour la chasse dans l'Aisne. Tout ce travail se fera grâce à des administrateurs engagés, et j'en profite pour lancer un clin d'œil à Patrick Ercolesi, mon fidèle compagnon avec qui je fête cette année nos 7 ans de vie fédérale. Tu as dû regarder, je suis sûr, à quoi correspondaient les 7 ans, puisque ça fait déjà 6 ans que je te fais le coup. Patrick, ce sont les noces de l'Aisne, une matière naturelle qui symbolise la pureté et les liens solides. C'est plutôt pas mal, ça. Ce travail se fera également grâce aux collaborateurs qui font preuve d'excellence et d'adaptation, à des bénévoles toujours prêts à s'investir, à nos associations spécialisées tournées vers l'avenir et à nos agents de développement qui œuvrent sans compter pour lesquels j'ai un profond attachement et une reconnaissance du même niveau. Notre fédération compte sur notre conseil départemental et son président Nicolas Fricoteau. Elle compte sur notre conseil régional avec son président Xavier Bertrand, représenté par Nelly, qui nous fait confiance pour nos actions en faveur de la biodiversité.
Elle compte sur nos parlementaires, cher Antoine, à l'Assemblée et au Sénat, pour défendre notre vision de la ruralité et tous nos modes de chasse. Et enfin, elle comptera, j'en suis sûr, dès le mois de juin sur nos représentants européens pour que le bon sens et le pragmatisme l'emportent sur le dogmatisme, la sanction, la méconnaissance de nos modes de vie, car l'Europe doit se faire au service des Européens en respectant nos particularismes. Pour conclure, Willy, je voulais te dire que les chasseurs de laine sont à tes côtés pour relever tous les défis qui attendent la chasse française. Tu donnes sans compter et nous devons te soutenir sans faille pour que tu portes la voix des chasseurs, amoureux de nature, de tradition, de bien-vivre, de passion, de partage et de fraternité, au plus haut sommet de l'État et ailleurs. Soyons fiers d'être chasseurs, soyons fiers d'être archers, soyons fiers d'être veneurs, soyons fiers d'être fauconniers, soyons fiers d'être piégeurs, soyons fiers d'être gardes et agents, soyons fiers d'être ce que nous sommes, des hommes simples, passionnés et combatifs. Vive la chasse et vive la ruralité, et merci Willy. Merci beaucoup. Alors, je dois dire que dans le timing, on est plutôt pas mal. Vous avez entendu la cathédrale qui sonnait les midis. On avait prévu d'arrêter à midi. Donc, les sonneurs vont arriver. C'est le moment traditionnel. Willy, je vais te demander de remonter sur l'estrade avec nous parce que nous allons remettre les honneurs de la chasse. Le conseil d'administration s'est réuni. Messieurs, c'est moi qui attaque ou c'est vous qui attaquez ? J'attaque pour gagner du temps ? Allez, les honneurs de la chasse. Je vais appeler la première personne qui n'est absolument pas au courant. Beaucoup ne sont pas au courant. On s'est arrangé pour être sûr qu'il soit là. Malheureusement, un est absent pour des raisons familiales, mais voilà. La première personne qui va être appelée là, c'est assez rare ce qu'on va faire, c'est que on va honorer un administrateur en titre, d'accord ? Cher Polo, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que tu es administrateur à la Fédération, et tu avais pris le dossier des gars de gibier à la suite de Gaston, avec Gaston et après Gaston. Tu l'as mené d'une façon remarquable. Être président de Fédération, c'est contraignant, ça l'est encore plus si on a des administrateurs qui ne mouillent pas le maillot. Tu m'as déchargé de ce dossier, tu as arpenter l'ensemble des plaines de laine dans tous les sens pour aller voir les problématiques, trouver des solutions. Être en charge de ce dossier quand on est agriculteur, c'est pas simple. Tous nos copains ne deviennent plus des copains, ne le sont plus en tout cas. Donc, sois remercié, Polo, de l'ensemble de ce que tu as fait en portant ce dossier. Tu as donné quelque chose de sain dans les mains de Philippe Patou maintenant pour transformer l'essai et réussir à rétablir les équilibres. Monte sur l'estrade, Polo, et avec Willy, on va te remettre ces honneurs de la chasse pour te remercier de ton investissement sans faille pour la Fédération des chasseurs de laine. Pour la deuxième personne, je vais demander à François Raynon de venir faire les présentations.
Les honneurs vont être mis à un très bon camarade que j'ai connu quand nous avions justement l'honneur de servir notre pays il y a 25 ans. Et maintenant, cet ancien sous-officier retraité donne beaucoup de son temps et de son énergie pour former les jeunes chasseurs au sein d'une équipe de bénévoles. J'appelle Daniel Reynal. Merci beaucoup, Daniel, au nom du conseil d'administration et de tous les chasseurs du département, de t'investir à tel point au profit de nos jeunes, de notre relève, encore une fois. Bravo. Bravo. Alors, Francesco Meneghetti, qui est également formateur pour le permis de chasser, n'étant pas là. François, je te demande de lui remettre les honneurs de la chasse de la part du conseil d'administration et de l'Assemblée générale aujourd'hui. J'ai insisté un peu samedi dernier pour être sûr qu'il soit là aujourd'hui. J'avais déjà fait sa connaissance un peu, mais j'ai été séduit samedi dernier à l'Assemblée des chasseurs de pigeons. Je vais demander à M. André Bossard de venir nous retrouver. André Bossard est le président fondateur de l'Association des chasseurs de pigeons ramiers dans le département de l'Aisne. Il y a 18 ans et demi, il a tenu la présidence pendant 13 ans. Il a été d'un travail sérieux à une période où, il y a 18 ans, ce n'était pas tout à fait très simple, les rapports avec la fédération. Bien heureusement, tout est rentré dans l'ordre et tout va bien. Depuis 5 ans et demi, tu es trésorier de l'association. Je n'ai jamais vu un cahier de trésorier aussi bien tenu. À la virgule, à l'ancienne, on a l'impression que c'était l'épicier du coin qui faisait la chose. En tout cas, pour ces 18 années de passion, de bénévolat que tu as mis à l'association des chasseurs de pigeons, je suis fier que le conseil d'administration ait choisi de te remettre les honneurs de la chasse. Et pour le dernier, parce que je ne sais pas vous, mais on a certainement une petite soif qui commence à pointer, j'ai demandé à Philippe Patou, il n'était pas au courant que c'est lui qui allait lui remettre, mais je pense qu'ils font un tel travail ensemble, et l'attachement au rôle qu'il doit jouer est tellement fort, et il réussit tellement à motiver les gens pour rétablir des équilibres, qu'il mérite d'être récompensé. Et Philippe, je te laisse avoir le dernier propos et l'appeler. Oui, il est vrai que je travaille beaucoup avec les responsables grand gibier dans toutes les UG du département. Et je vais en appeler un ce midi. C'est Daniel Thiel qui doit être dans cette salle, je pense. Daniel, je voudrais bien que tu viennes nous retrouver. Vous pouvez l'applaudir. Oui, vous pouvez l'applaudir. C'est vraiment quelqu'un qui fait un travail exceptionnel, exceptionnel, je peux vous le dire. Je vais être sincère, si j'avais que des responsables grand gibier comme ça, je dormirais bien mieux. Bien mieux. Allez, on fait la photo de tous ceux qui ont eu les honneurs. Juste le temps que vous vous mettiez en place, je fais un petit coucou à Sylvie Leto,
que j'ai oublié tout à l'heure, mais je te garde pour la fin, c'était pour ça. Donc, qui est un premier adjoint de la ville de Laon et qui représente le maire Éric Dollet. Merci de ta présence fidèle à notre Assemblée Générale, Sylvie. Donc, mes chers amis, maintenant, on laisse place à la trompe, d'accord ? Faites-nous vibrer, mettez-nous en appétit, et je vous propose que nous nous retrouvions dans la salle qui est située à l'étage pour boire le verre de l'amitié et prolonger ce moment de partage. Merci à tous de votre venue.